Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 Avenue de Laurier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Hey, je pense qu'on vient de voir le pouce originel, celui de Mathieu Potvin, le grand Potvinosaure à la console, mesdames, messieurs. Oui, mon nom est Tommy Godette, et avant de se lancer dans cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde, salut Gab! Ça va? Hey, merci, oui, ça va super bien. J'aimerais prendre un instant pour passer les condoléances du groupe à la famille de Isabelle Monette. Isabelle s'est enlevée la vie le 21 février dernier. C'est quelqu'une qui est venue faire deux chroniques pour nous l'automne passé. Et voilà, la dépression aura eu raison. Ça nous amène à se dire des évidences. Hein. Si ça va pas bien, parler autour de vous. C'est pas vrai que le suicide est une solution dans quelconque des cas. Et donc, à partir de là, sincères condoléances à ses proches et aux personnes qui la connaissaient mieux que nous. Isabelle, tu... Voilà. C'est ça. Sinon, ben, on a encore quand même une soirée à vous offrir et ça va être terminé par un set de VJ de Zoé. Zoé, souvent, c'est tard, le monde commence à être un petit peu plus pacté. Donc, elle lève les freins un petit peu, hein? C'est un petit peu plus trash. Ceux qui sont curieux, restez. Vous allez voir, c'est idéal pour une première date qu'on nous a dit. C'est vrai, c'est vrai. Juste avant ça, on a un film qui s'appelle Night Patrol. C'est encore le film de Pascal Grenier qui a gagné. C'est un folichon, un petit peu un Police Academy, mais un petit peu plus de nipples. Là. Je ne l'ai pas vu, donc j'espère que Pascal va être là pour nous en parler. Sinon, on va le découvrir tout le monde ensemble. Je fais entièrement confiance au goût cinématographique de Pascal. On va être donc devant quelque chose d'important. Sinon, juste avant ça, on a un set de VJ de Bruno Corbin. Bruno, ça fait plus de 10-12 ans que c'est un de mes amis précieux et aussi un VJ de qualité extraordinaire. On en fait moins, moi et lui, mais veut pas, on a quand même comme 10, 12, 15 ans d'expérience. Et pour son set de VJ ce soir, Bruno m'a dit « Dude, j'ai fait plein de montages ». Vous voulez pas manquer ça, ça devrait être assez considérable. Sinon, juste avant ça, on a Le Doigt dans l'œil, c'est une espèce de regroupement de réalisateurs et producteurs de films. On s'entend, c'est plus indie que professionnel, mais ils font des affaires de très belle qualité. Et on va avoir un petit 15-20 minutes de leur dernière création. Ça va être Gabriel Auclair-Doucet qui devrait venir nous parler un petit peu avant qu'on pèse play sur la chose. Juste avant ça, Sarah Paquette a fait un hommage à notre invité de ce soir. Donc, on va avoir un hommage de 16 minutes, qu'on m'a dit bien précisément. On va écouter ça juste après le 70% qui s'en vient. Un 70% qui va être mis en musique par Joël Légende, là-bas. Hein, on peut peut-être l'applaudir, s'il vous plaît. Jamais du bling n'aurait été aussi bien porté. Bravo, madame, d'être avec nous. Merci beaucoup. Sinon, ben voilà, c'est un 70% avec Jean-François Provençal qu'on va avoir ce soir. Très content de le recevoir. Si je compte bien, je pense que ça va être notre deuxième appendice. C'est ça. Je pense qu'il faut se rendre à 5-6 si t'es un gars. Là. On verra bien. Donc, sinon, ben, pour commencer cette soirée-là, s'il vous plaît, chaleureusement, vous allez applaudir la venue sur... mais très prochaine sur le stage d'un certain Kevin Adams, pas de S. Ça veut dire Kevin Adam. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Kevin Adams, pas de S. Merci, merci. Hey, bonne main d'applaudissement à votre animateur, Tommy. Fait une chemin incroyable. Yes. Hey, vraiment content d'être ici. C'est un peu honteux. C'est la première fois que je viens... à la soirée, justement, douteux.org, mais quand même content d'être ici. Comme Tommy l'a mentionné, je m'appelle Kevin Adam, ou comme on dit au Scrabble, 15 points. Sinon, aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un truc. J'ai écrit des affaires avec sa soirée douteuse. T'sais, c'est la première fois que je viens ici, que j'essaie de trouver un sujet qui est quand même assez douteux. Fait que je vais vous parler de magie ce soir, t'sais, un truc qui me passionne. Ah ouais! J'ai pas dit que j'allais faire de la magie! Je vais te parler de magie, Tommy, calme-toi, ici.
Mais ouais, c'est ça. Fait que là, je viens vous parler de magie ce soir. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui me passionne. Parce que moi, ma mère est magicienne, OK? Tu sais, mon père, il me l'a dit quand j'étais jeune. Il me dit, ouais, ta mère est magicienne. Elle m'a fait un tour. Je l'ai pas vu venir. Elle s'est poussée avec mon paquet de cartes, la moitié de mon compte en banque, puis mon ami Michel. D'après moi, c'était son technicien, là, je le sais pas. Mais pour vous, aujourd'hui, je m'en viens vous parler du plus grand magicien de tous les temps, et j'ai nommé Jésus de Nazareth. Parce qu'on s'entend, non, mais tu sais que Jésus, il est spécial. Tu sais que t'es spécial, c'est quand t'es né à l'an zéro, que ta mère a fait un one night avec un ange, puis que ton père, sa job, c'est créateur de l'univers. Rien de moins. Puis sinon, Jésus, c'est comme un mélange. Il y a un don, c'est un mélange de plusieurs magiciens. On pense à Gandalf pour les cheveux puis la barbe, à Harry Potter pour la jaquette, puis à Luc Langevin pour le charisme légendaire. Merci. Sinon, Jésus, il y a aussi plusieurs skills. C'est quand il était jeune à l'école primaire, il a développé son premier skill, c'était de changer, interchanger deux lettres dans un mot sans que personne s'en aperçoive. Ça a l'air banal comme ça, sauf quand tu habites dans la ville de Jérusalem. Il suffit d'être juste assez cocky pour que ça devienne rapidement Jésus-Ralem. Bref, ouais, ça, c'est un moyen. Ça. Ah, merci, merci. sinon, c'est ça, puis là, Jésus, tu sais, vu qu'il voulait devenir le plus grand magicien de tous les temps, comment tu fais ça? C'est en rencontrant, tu sais, d'autres magiciens. Fait que là, il était faire le tour de la ville de Jésus-Ralem, tu sais, pour rencontrer tous les autres qui sont devenus plus tard ses apôtres. Ça, on pensera en premier lieu à Pierre, tu sais, l'inventeur de « J'ai volé ton nez ». Aussi à Jean, l'inventeur de « Je peux enlever mon doigt ». Il y avait aussi André, celui qui arrêtait pas de cacher des pièces de monnaie derrière les oreilles des gens. Puis il y avait aussi Paul, l'inventeur de s'échange deux chameaux contre ta femme. Un tour incroyable. Aussi, on s'entend que Jésus est à la magie, ce que GSP est à l'anglais, c'est-à-dire surprenant. Aussi, Jésus a fait plusieurs tours de magie. Je vais relater les plus connus. Donc, dans les premiers, on s'entend qu'il a changé l'eau en vin, ou comme Curieux Bégin dirait, lors de faire un pique-nique sur le bord de la mer Rouge. Il a aussi fait la multiplication des pains, ou comme dirait Ricardo, lors de couper une miche en de délicieuses petites tranches. Il a fendu la mer en deux. Sauf ça, c'est juste une erreur de frappe dans la Bible, parce qu'en fait, Jésus il a juste participé à l'accouchement du plus gros bébé du Moyen-Orient. Fendu la mer en deux, OK? Sinon, Jésus il a aussi marché sur les eaux de la mer morte. Ça, c'est juste la suite de l'histoire d'avant. Ouais, c'est un peu trash, là, mais c'est correct. Sinon, Jésus, il avait vraiment une grosse carrière, si tout le monde en parlait. Fait que là, tu sais, à un moment donné, il disait des paroles de sagesse à tout le monde, mais tu sais, tellement qu'il ne peut pas tout s'en rappeler, fait qu'il a engagé un gars pour écrire toutes ses paroles qui s'appelait Matthieu. Fait qu'il a fait un livre qui s'appelle « L'Évangile de Matthieu ». Donc là-dedans, je vais vous rater une couple de paroles qu'a dit Jésus. Donc, une des plus célèbres était « Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux ». Il y avait aussi « Tout péché sera puni, car l'homme est péché, surtout Martin pêcheur. » On oublie celle-là. Sinon, exact, le oiseau. Sinon, la plus célèbre des phrases de Jésus, c'est « Manger ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang, et je me sens faible tout à coup. » Sinon, Jésus, avant de vouloir prendre sa retraite, il a voulu faire un coup d'éclat. Il voulait faire le plus grand tour qu'il avait jamais eu dans le Moyen-Orient. Fait qu'il voulait s'évader d'une crucifixion. Okay, pour ça, il a engagé le meilleur technicien du Moyen-Orient qui s'appelait Judas. Mais Judas, par contre, était tellement jaloux de Jésus qu'il l'a trahi. Parce qu'il voulait devenir famous, lui, avec. Fait que là, tu sais, il était supposé installer, mettons, comme des aimants sur la croix au lieu des clous, mais parce qu'il voulait le trahir, mais il a mis des vrais clous à la place. Fait que là, tu sais, quand Jésus est arrivé sa croix, on s'entend qu'il était surpris un peu, tu sais. De un, parce qu'il était pas capable de descendre, puis de deux, parce que ça fait mal en tabarnak.
Fait que là, à un moment donné, il s'est rendu compte après une coupe d'heure que ça allait pas marcher. Fait que là, il s'est dit, crime, je vais parler à mon père. T'sais, c'est quand même le créateur de l'univers. Il va peut-être pouvoir faire de quoi. Fait que là, il dit, mon père, ils m'ont cloué d'un bras à l'autre, ou comme on dit en latin, abracadabra. Ils sont suivis de. Mon père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font, hein, mais au moins la place est sold out. Fait que là, Jésus, il fallait qu'il trouve une façon de sortir de la crucifixion. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir? C'est qu'il est mort? Hein? Mais ne vous en faites pas, ça, c'est un truc qu'il a appris d'un chasseur d'ours. Faire le mort, hein? Fait que là, c'est ça, je vais rester caché pendant une couple de jours pour que les gens s'en rendent compte. Fait que, il est resté caché 3 jours dans son tombeau. Après ça, il est sorti. Mais calvaire, les gens l'ont reconnu, aussi. C'est le plus grand magicien de tous les temps. Puis en plus, il s'est cassé à gueule sur la place publique. C'est sold out. Tout le monde s'en rappelle. Il y a ça, puis aussi qu'il se promenait avec 2 gros trous dans les mains, hein? Tu sais, il arrivait pour faire des tours de magie. Tout le monde les voyait, ses foulards, ses pièces de monnaie, assis dans ses trous. Fait que là, on s'entend que Jésus, il est parti comme il est arrivé, hein, comme par magie. Oh! Mais tu sais, imagine, attends, si Jésus, le dernier coup qu'il aurait voulu faire, ça aurait été un truc comme Houdini, tu sais, attends, se faire attacher, puis essayer de sortir d'un sarcophage en dessous de l'eau. Mais là, imagine, ça n'a pas marché, hein? Tous les gens aujourd'hui, les croyants, ils prieraient devant quoi à la maison? Un petit aquarium sur le mur? Avec un petit Jésus noyé dans le fond, tu sais? Puis là, pour les plus croyants, ils pourraient même mettre un petit poisson laveur à l'intérieur qui appellerait Marie-Madeleine. Hein? Elle ferait un petit job propre, là. Puis là, pour les... Là, pour les plus croyants encore, ils pourraient même mettre une trame sonore, là, style Titanic, là, ça serait thématique, il a coulé lui avec. Là. Puis là, pour les plus sérieux encore, là, t'aurais comme Jésus qui chanterait la toune du Titanic, là, ça ressemblerait à... Blou, 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 blou. Je vais en faire au complet, hein? Blou, blou, blou! Hey, pour vrai, je vous laisse là-dessus. Hey, merci beaucoup, douteux.org. Bonne fin de soirée. Kevin Adam, mesdames et messieurs. Et bonsoir en manchette ce soir, Monet et Anus et vos chroniqueurs, Mathieu Boudreau, Antoine Lavigne, Jonathan Simon, Tommy Colin-Vallée, Alexandre Sarfati, en house band, Joël Légende et notre invité Jean-François Provençal en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Vous êtes à 70%! Hey, qu'est-ce que tu vas faire de ta soirée? Tu twerks des jambes, des genoux, des pieds? Fais la grenouille, fais l'éléphant! C'est l'heure de 70%! Douter et questionner tout le temps! 70% fanfare! 70% fanfare! Douter made me! Joël Légende en house band ce soir, mesdames et messieurs. Pour vrai, ça a fait ma soirée. Ah ouais, hein? Je suis content d'avoir vu ça. Je peux retourner à la maison. Ouais, tu te déplaces pas pour rien. Wow. Hey, moi, j'ai eu une stie de grosse semaine. Ah ouais? Une des pires de toute ma vie. Ah ouais? Pas de joke, là. Il y a un coloc qui a comme pété les plombs. Là, il a demandé pour quitter. Puis là, il veut plus. Puis là, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour sa place. En tout cas, grosse poutine. Il y a eu aussi le Chinook qui a cassé avec sa blonde pour la première fois de sa vie. Et, Chinook, c'est-tu ton chien, ça? Ou... un peu. C'est mon Chinook de maison. Là. Et il a fallu faire venir la police parce que c'était rendu... ben oui, t'étais là. Ben oui, j'étais là. Ah. Moi aussi, c'est ça qui s'est passé dans ma semaine. Cette semaine. Sacrément! C'était incroyable. La narrative, au final, ça a fini qu'elle a ramené son père et les deux nous criaient après. Puis là, on a fait, ben gars, on va appeler la police. Là, on a fermé la porte. Puis là, ils ont commencé à sonner. Fait que là, puis là, ce qu'ils criaient pour, ce qu'ils sont venus crier chez nous pour dire, on veut plus jamais vous voir. Ouais. Ouais, c'était vous surtout aidez ça, pas ouais. Ça, là. Fait que, en tout cas, je pense qu'on est passé au travers. Et ça nous a rendu plus fort.
Il y a peut-être des poches ici qui sont pas là d'habitude, mais on va passer au travers. Hein, Bruno, dis-moi que ça va être correct. Ben, je pense que ça va être correct. Moi, je l'ai vécu différemment. Tu sais, j'étais arrivé au milieu du conflit. Ouais, fait ouais. J'étais au début, j'avais un petit peu de sympathie pour elle, puis à ce temps, je veux plus jamais avoir. Là, ouais. Bon, c'est ça. Ça s'est terminé on assez. On dirait que vous vivez dans un genre de sitcom ou quelque chose. Ouais, c'est de... ouais. Weird. Ouais. On parle dans t'sais, le dos du monde qui sont pas là tout le temps. Non, mais c'est pour ça. Dans le genre, tu sais, moi, ma semaine, c'est plus comme il y avait rien dans le frigo, je suis allé à l'épicerie. Là, c'est pas, Fait que cette semaine, va falloir ouais. que ce soit, il y avait quelque chose dans le frigo. Ben, il va falloir que je cuisine les enfants ou que je jette les choses qui étaient. T'es-tu un. Hey, non, attends pas, on va faire ça comme il faut. Okay. Mesdames et messieurs, applaudissez notre invité, s'il vous plaît, Jean-François Provençal. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Plusieurs provençalites dans la salle. On dirait bien. T'appelles ça comment, les fans de Provençal? Des humains. Okay. Rien de moins. Non, tout le monde. Non, pas dans le sens que tous les humains m'aiment, c'est pas ça que je veux dire. Ah, mais tout le monde avait compris ça comme ça. Ouais. Non. Anyway, non, c'est pas vrai, je sais, c'est pas vrai. T'es-tu chatouilleux? J'étais très chatouilleux. OK. Puis là, je le suis devenu pu. Comment on dit ça en français? Comme ça, je pense. Okay. C'est ça, c'est correct. Ouais, t'as comme maturé au-delà de ouais, ça. Ouais, ben tu sais, moi, on pouvait même pas me toucher, là, tu sais, j'étais comme, ah, touchez-moi pas, tu sais. Ah bon, qu'est-ce qui est arrivé? T'es-tu tombé comme dans des produits chimiques et t'as gagné des poids? Non, c'est juste qu'on dirait que, tu sais, comme, j'aimais pas ça me faire toucher. Puis là, mes premières blondes, c'est difficile, tu sais, comme. À ce point-là, ils voulaient hein? me caresser. Ouais, puis j'étais comme, non, touche-moi pas. Puis là, finalement, ça s'est réglé. Ben, c'est parce que un secondaire difficile qui a donné ça? Je sais pas. Non, c'est juste que j'étais chatouilleux. Tu sais, comme toi, t'es-tu chatouilleux? Je le sais pas. Check donc, voir. T'es pas tant chatouilleux. Parce que moi, j'avais une réaction vive. J'étais comme genre, ah! Ouais, ben c'est comme incontrôlable. C'est comme moi, en tour des pieds, mettons, ça, c'est quand j'étais plus jeune. Là, j'étais comme, ah! Je capotais, ben red, j'aime vraiment pas ça. Hein, ouais. C'est quoi, t'as-tu été traumatisé en voyant le Astérix le Gaulois quand Panoramix s'est fait torturer par les chatouilles? On dirait que dans ce cas-là, dans ces affaires-là de chatouillage, ça n'existe pas, je ne le regarde pas. Ah, voilà. Hey, sinon, JF, on te connaît comme étant quelqu'un d'assez prolifique. Je pense que ne plus être à Radio à Télé-Québec, c'est pas quelque chose qui t'a ralenti, on dirait. Ben, un petit peu quand même. C'est sûr que je produisais plus de matériel, plus professionnel. Là, maintenant, je fais plus comme... Je crée des œuvres d'art un peu. Je fais n'importe quoi. Ben comme ouais, j'y vois. Tu te gardes occupé. Ouais, parce que pour moi, créer, c'est quelque chose qui est comme viscéral, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. À partir de quand ça a commencé, ça, ce viscéralisme? Ben, je pense que j'ai toujours pas mal fait des affaires artistiques, tu sais, comme quand j'étais jeune, je dessinais ou j'inventais beaucoup des histoires ou, tu sais, je faisais des personnages. OK. Fait que ton premier médium, ça a été le dessin? Je pense que ouais, mais en fait, surtout l'humour, ça a toujours été l'humour. Parce que j'ai toujours eu des groupes d'humour à partir de quand j'étais vraiment jeune. Tu sais, comme je me teamais avec quelqu'un, j'étais comme, on est un duo. OK. Mais on avait... ça nous prend un bon nom. On avait genre 10 ans, tu sais, on faisait comme une genre de BD dans la bibliothèque. Parce que dans la classe de l'école primaire, il y avait comme une bibliothèque. Puis là, nous autres, on a fait comme, on va créer un livre. Ah! on va être à côté des grands, comme Martine à la plage. Puis là, tout le monde dans la classe va lire. Fait que là, on a fait une BD, tu sais, comme un 20 pages, là, tu sais, plein de jokes, là. Oh, ouais. Puis là, on l'a mis, puis là, à la fin de l'année, personne ne l'avait loué. Mais est-ce qu'il était au courant? C'est peut-être une affaire de publicité. Ben, c'est ça, non, on l'a dit à tout le monde, puis même le professeur l'a dit. Ouais, mais c'est parce qu'il s'en foutait, tu sais, de notre création, ils ont des beaux dessins. C'est quand même une assez dure leçon de vie à digérer, mais c'est pas pire que ça t'arrive au début puis que t'avais pas perdu le feu de la passion. C'est après. Comme si j'avais fait, mettons, tu sais, comme tout le monde a un peu fait le François Pérus sur son enregistreur cassette. Effectivement. Mais la star, les jeunes, ils peuvent le mettre sur Internet, ça. Ouais, ça, c'est, oui. Et avoir des likes et après ça, avoir des commentaires sur YouTube. C'est ça. Allez pas là. Toi, justement, en fait, peux-tu m'expliquer c'est quoi du ASMR? ASMR, ça, je suis tombé là-dessus sur YouTube à un moment donné. C'est malade mental. C'est une astuce de trail, ça. Oui. Puis, en fait, c'est comme... C'est Autonomous Sensory Meridian Response. Okay? Méridienne, hein? Ouais. Ça me semble que c'est un mot important. Oui, c'est ça. Ben, Puis, ce que ça fait, en fait, c'est que... Il y a certaines personnes, pas tout le monde, est comme a ça. Moi, je me suis rendu compte quand j'étais au primaire, puis il y avait une fille qui coupait... tu sais, c'était la silence dans la classe, puis elle coupait du carton. Avec des ciseaux de même. Ah ouais. Ou tu sais, quand tu tombes en amour avec ta coiffeuse, ça vous fait-tu ça, vous autres? Toi, c'est les affaires qu'on coupe, hein, quand, quand ça coupe. Ben toi, non, mais ça. C'était comme genre, tu sais, non, c'est comme ben, la caresse. Tu demandes pas à la bonne personne. Tu sais, comme, puis non. Non. Okay. Joke de chauve! Ouais, non, mais t'as déjà eu des cheveux? Bah oui. Quand t'étais jeune. Mais j'allais pas chez la coiffeuse.
t'es allé chez le coiffeur. C'est ça. Fait que je suis tombé amoureux de mon coiffeur. C'est correct. On a le droit. Ouais, fait que t'es en train de nous dire que toi, tu répondais au bruit des affaires qui se coupent. Ouais, c'est ça. OK. Mais comme aussi, tu sais la patente que tu te mets sur la tête, là, puis ça fait comme... Ouais, oh! L'araignée. Bon, ça fait cette sensation-là. Fait que dans le fond, ce que t'aimais, c'était de faire toucher la tête, pas le corps. Ouais. OK. Ouais, me faire masser la tête, ça, j'aime bien. Le comprend, notre provençal. C'est où que t'as fait ça, ton primaire et secondaire? À plein de places, parce que mon père était militaire, fait qu'on déménageait tous les 3 ans. Fait que primaire, je l'ai faite à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, à Gatineau. C'est ça. C'est-tu difficile, ça? Saint-Luc, Iberville. Non, mais dans le sens, quand t'es jeune, tu déménages souvent. Moi, j'ai déménagé une fois étant jeune, puis ça a été difficile, là. Moi, j'ai déménagé extrêmement souvent, ça veut dire, puis tu sais, dans des places loin, j'avais plus d'amis là, quand j'arrivais. J'étais tout le temps nouveau, tu sais. Mais ça m'a permis de développer des skills sociales, tu sais, comme d'être avec l'humour, justement, tu sais, comme de me faire des amis. Oui, c'est ça, avec l'humour. Puis c'était le fun parce que tu pouvais te réinventer à toutes les 3 ans un peu, tu sais, comme, tu sais, mettons, t'es le gars que. Ah, à un moment donné, dans sa case, ça puait. Là, c'est comme le gars qui s'appuie dans sa case. Et là, tu déménages, puis ça pue plus dans ta case. Tu fais attention à ça, cette fois. Ah, c'est pas fou, c'est pas fou. Hein? Puis, y a-tu comme un de ces provençals-là que t'aimerais ça revoir? Là? Le GF qui faisait du kung-fu là, au secondaire, ou l'autre qui avait des projets de tueurs en série? Non, ou... c'est ça, c'était pas autant non, que ça. Non, t'étais, non, okay, t'étais non, comme... un provençal régulier. C'était plus comme le gars qui a crissé le ballon sur le toit de l'école, puis là, j'étais plus ce gars-là. Tu sais, c'était pas... Moi, j'ai regardé beaucoup des sketchs des appendices et tout. T'as l'air d'être un de ceux qui aiment le plus utiliser le green screen, je dirais. Oui, mais en fait, c'est que moi, ça paraît, c'est ça l'affaire. Ah. Il y a tellement de faces de taquin. Ouais, ben en fait, c'est que ça permet une imagination un peu plus fuckée, puis j'aime ça le green screen pour ben, ça. Mais on tombe dans un absurde qui ressemble beaucoup à celui de Tim and Eric. Oui, un peu dans l'esthétique. C'est-tu du monde que t'aimes? Je connaissais pas Tim and Eric avant, vraiment. Ah ouais, pour vrai? Non, pas vraiment. Tu sais, j'étais comme, ah ouais, je connais le genre. Mais après ça, je me suis vraiment intéressé et j'ai fait « OK, là, ça, c'est fucking malade. » Oui, ouais, ça vaut la peine d'en apprécier. Ouais. Sinon, ben t'as-tu comme des idoles en humour ou en littérature ou en parfum? T'as-tu un parfum que tu recommandes? Non, pas vraiment. Ben, c'est quoi ton légume préféré? Moi, mon légume préféré, c'est le champignon. Pas pire. Ouais. Je pense que ça compte pas. C'est pas un légume. Pas de vitamine là-dedans. Est-ce que ça compte? Ben non, en fait, oui, ça compte. Joël Legendre dit non. Non, regarde. Moi, je dis que ça compte. Ça compte. Bruno dit oui. Moi, je dis que ça compte. Non, c'est que j'y ai repensé. La carotte. Arrêtez de pas dire la carotte. C'est important, les légumes. J'en mange beaucoup, des carottes, là. Wow! Tu sais, mettons, tout le frigidaire, ça fait comme, c'est quoi mon projet collation? Oh, carotte! Carotte! Veux-tu que je t'apprenne quelque chose qui va peut-être te rendre content? La carotte, c'est un des rares aliments qui te prend plus d'énergie à digérer que ce qu'il te donne quand tu la manges. Fait que c'est comme faire du sport, manger des carottes. Sacrement. Je te dis, t'en apprends des affaires à 70%. Wow. Hein? Et en plus, tu viens avec un teint orange. Vérifie pas sur Google, par exemple. Non, là, c'est vrai. Il y a ça, il y a les cocombes, le céleri. Il y a une couple de légumes. Pas si c'est vrai, ça. C'est pas un mythe, ça? Ben non. Ton système. Vérifiez pas sur Google. Non, mais le coq. Ou vérifiez qu'il ferme sa gueule. Hey, oui? Oui. Le cocombe, c'est vraiment juste de l'eau, par contre. Ben c'est ça. C'est pour ça que tu te digères, t'as pas beaucoup de calories, mais ça t'en coûte pareil. T'sais. Moi, ça me donne des gaz, le cocombe, fait que ça doit pas être juste de l'eau. Hey, ça, je veux que ce soit au procès verbal. Hein. Je veux que ce soit au procès verbal. Mais sinon, GF, tu me demandes, tantôt, la question, c'est as-tu des idoles ou du monde que t'aimes oui, beaucoup? Oui, OK, ben, on peut revenir à ça. Eric Andre, j'adore Eric Andre. Hey, c'est capoté, fait? Ça. J'ai fait écouter ça à ma mère une fois, puis elle a demandé pourquoi il est en crise après les meubles. Ce que j'aime, beaucoup d'Eric Andre, c'est qu'on y croit à son personnage, tu sais, comme ça va loin dans « Oh mon Dieu, il a fait ça », tu sais, comme il y a plein de ramifications autour de ça. Et puis il y a aussi l'espèce tout le temps de souvent on voit la shot de l'invité qui se demande en esti ce qui se passe mais qui savait pas ça, qu'il moi je pense que pour faire ça ils doivent tourner l'entrevue juste du bord de l'invité puis lui il dit des questions puis après ça il y a un remontage, tu sais, c'est facile là, de me faire un green screen. C'est facile aussi de juste après ça faire un plan puis faire de quoi tricher de weird avec les perceptions c'est ça de l'auditoire. C'est ça qui est le fun. C'est ça que t'aimes toi, hein? Ouais, ben oui, j'aime ça que t'aimes ça. Je vais sûrement te chatouiller avant que tu t'en ailles. Hey, à partir de maintenant, JF, en fait, il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. Mm-hmm. D'habitude, je te pose 2 questions à tous les invités qui viennent ici. La première, est-ce que tu joues à Magic? Oui, ça m'arrive. Oh, fuck! What? Hey, faites descendre des ballons et tout, t'as tes decks! Est-ce que tu savais que les Dead Obies jouent tous au Magic? C'est vrai! C'est leur jeu de tournée.
C'est des gros fans de. C'est des gros fans de Mais toi, tu joues quoi à Magic? Ben en fait, j'ai arrêté de jouer quand j'ai découvert les. Mais j'ai quand même une grosse. Oh, il dit oui, là, moi. J'ai dit ça m'arrive! OK, c'est vrai. Gosse! Non, mais je jouerais à Magic, mettons, une soirée de, tu sais, comme un genre de, une boîte là, qu'on pige, on fait un draft. Un costume de main. Et c'est juste investir dans les cartes, rester à la page sur qu'est-ce qui se passe parce que, tu sais, ça évolue tellement, puis je peux pas me lancer là-dedans, les amis. Il y a trop d'affaires. Il y a trop de stock, fait que t'as-tu encore des decks? Oui, j'ai une grosse. T'es donnes-tu? Au moins 5. Non, t'es-tu fucking malade? Ouais, ça monte, hein? J'ai des cartes Magic qui datent de mon secondaire. OK. Yes. Ça, c'est quoi? Je suis arrivé à Tempest. Oui, OK. Puis juste un petit peu avant. Fait que j'avais pogné une carte qui valait comme 30$ à l'époque, Grindstone. Ouais, ben oui. Ça... Puis j'avais cette carte-là, puis j'étais comme, waouh, parce que j'avais même le magazine, tu sais, Wizard of the Coast, pour checker le prix des cartes, puis tout, là. Ouais. Avec ça, t'étais vraiment la vedette au secondaire, c'est sûr. Non. Et puis ça, c'était les 3 années que tu jouais à Magic, ça. Ouais. Le gars qui avant d'aller Magic. Plus loin dans le show, on demande aussi à nos invités un indicatif, genre okay. Jean-François Provençal, je suis à 70%. Tu peux habiller ça comme tu veux. Tu peux okay. insulter Bruno parce qu'il parle tout le temps. Faut-tu que je regarde à quelque part? Regarde là. Je suis Jean-François Provençal et je suis à 70% le podcast. Écoutez ça! Merci beaucoup, Jean-François Provençal, mesdames, messieurs. Je pense que Joël, s'il te plaît, on peut aller au premier bloc de nouvelles. Merci, Big Tommy God. Shout out, Lil Bruno. Allô, OG Appendix. Provençal, a.k.a. Jay Frizzle, a.k.a. Seigneur Poil. Ça me fait bien plaisir. Oubliez pas de manger vos fruits, vos légumes. Des champignons, ça compte pas. Il n'y a pas assez de vitamines. Parle-moi ça. Et yo. Ben oui. Tu le sais. Oh, Chinook. Pouh. Des nouvelles font scrrra. Pop, 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 pop. Skibidi, pop, pop. Et nous, pou, pou, brr, pou. Skia. Du coucou pou pou Bruno. De toute beauté, on est rejoint par Chinook, le danseur radiophonique. Ouais. S'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements. Que c'est weird, le meilleur danseur radiophonique au monde. C'est fucking bizarre, votre émission. Ça n'a pas commencé de même. Hein. Au début, ça l'était moins. Hein. Bruno, s'il te plaît. Oui, Amine de Balbuena et Imar Peña sont allés dans 2 dépanneurs de Plains en Pennsylvanie en tentant de payer avec des faux billets de 100$ après que l'employé du 2e dépanneur ait écrit « faux billets » sur leur billet. Les deux hommes ont pris la fuite, se faisant arrêter quelques minutes plus tard alors qu'ils marchaient au milieu de la route. Lors de l'arrestation, les policiers ont trouvé 3 faux billets dans le sac de Balbuena, pardon, et une fouille à nu a révélé plusieurs autres billets cachés dans son anus. Balbuena a refusé de retirer les billets sous prétexte que ça allait faire mal. Les policiers l'ont alors informé qu'il allait être transporté à l'hôpital pour les retirer. Laissé seul dans sa cellule, il a retiré les billets de son anus pour les mettre dans sa bouche. Tu sais l'expression « J'en chie pas de l'argent ». Merci. L'homme de 20 ans a alors entendu les policiers entrer dans la zone des cellules et a caché les billets dans son pantalon. Les billets ont alors été récupérés par les policiers. Calvaire, hein? Il voulait les manger pour ben les oui, cacher. Ben oui. Surtout, ouais. Me semble, l'argent américain, il est tout pareil. Genre, c'est... Nous autres, il y a comme plein de filigranes, puis tu vois au travers, puis tout, puis eux autres, c'est blanc sur blanc. Ils l'ont-tu pas, hein? Oh, entre autres, pas. Ils l'ont-tu pas, l'affaire, les Américains? Ting big! Ting big! Ça pisse, hein? C'est bon, on a trouvé une de ces cordes sensibles. Let's go next! Oui, certainement. Un homme du Texas faisait tourner un pistolet chargé sur son doigt quand le prévisible est arrivé. L'homme a été transporté à l'hôpital avec une blessure par balle au niveau de l'estomac. Il semble qu'il tentait d'impressionner la galerie lors de l'anniversaire de 16 ans de sa fille. Fait que c'est quoi que, mettons, un good guy with pas d'idée cave de même avec un gun qui aurait pu... Stupid guy with a gun cannot stop a stupid guy with a gun. Ouais, c'est ça. Attention, tu vas te faire mal. Ah, next, qui mange la marde, lui? Oui, Shane Anthony Mele de North Palm Beach, en Floride, a dérobé plusieurs pièces de monnaie de collection d'une valeur estimée à 33 000$. L'homme de 20 ans, qui a été capturé quelques semaines plus tard, a avoué avoir vendu quelques pièces, mais en avoir passé la majorité dans des machines distributrices de supermarchés.
pas de nouvelles des pièces de monnaie. Oh! Ouais. Ben oui, ben oui. Hey, Bruno ouais. Corbin, mesdames, messieurs, give it up! En fait, JF, avant d'aller vers le premier chroniqueur qui s'en vient, j'aimerais ça que tu décrives mon T-shirt. Wow! OK, je n'avais pas regardé. Tabarnak! C'est comme une enfant qui a l'air handicapée. Je pense. Ah? Je pense qu'elle est atteinte de trisomie 21. Qui fait un genre de comme ça, non? Puis, comment tu décrirais ça? Une moue. Une moue, c'est bon. Puis elle a un collier. Ben, en fait, il y a beaucoup de bijoux. C'est beau, pour vrai. C'est beau, hein? Ouais. Elle a quoi aussi? C'est punk, mais comme sensible. C'est emo. C'est emo. Punk sensible, c'est emo. Ben, je pense que oui. J'adore ça. C'est ça? Beau. T'as-tu remarqué aussi ses tatous? Oui, ils sont beaux. C'est ça? Ben, oui, des mais beaux ça, tatous, je reconnais. Hein? Ça, c'est du Ed Hardy, là. Ça, ces affaires-là, c'est du Ed Hardy. C'est la première fois qu'on associe à un collier de chienne. Puis il y a comme ben ça c'est des dragons. Ouais, ouais aussi, ouais, il y a l'aspect sexuel qui est très weird effectivement. Ben oui, parce qu'on dirait que mais moi c'est je l'ai pas vu comme ça, tu sais, moi je l'ai vu comme quelqu'un qui s'affirme, tu sais. C'est bon ça, s'affirmer. Merci JF Provençal. JF Provençal, il voit pas le monde à travers cette lentille là lui. Tu sais? Shout out à ma génération, c'est cool, complètement correct, et puis c'est même le fun, déjanté, adéquat, pas possible, c'est pas pour cube, Zumbadoo, wow. Hey, salut tout le monde, salut, hey, à moi le adéquat, adéquat, ouais, c'est non, c'est... Je pense que tu es au courant de cette tune-là, c'est pas la première fois que tu l'as. Ben oui, non, c'est ça, on l'a entendu pas mal souvent. Là. Ouais. Ben t'avais juste à pas faire ça au Québec. Hein? T'as raison. Ou c'est la rançon de la gloire. Ben regarde, mais les Français même aiment, ils comprennent Watatata, ils comprennent Zumbaloa. C'est super compliqué. C'est un concept très... ça se dit, j'invite. Ouais. On écoute Jonathan Simon. Bonjour. D'ailleurs. Oui, salut. Ben aujourd'hui, je suis venu remercier mes commanditaires, comme je l'ai fait quelques fois jusqu'à date. Oui. On a beaucoup de commanditaires aujourd'hui, c'est vraiment bien. Alors, ça va comme suit. Marilyn Boucher, 32 ans, aime échapper ses clés dans la neige, trouver un poil de poche sur sa barre de savon, renverser sa diva cup sur le plancher de la toilette du Burger King, faire de l'épilepsie avec un couteau dans les mains et se faire condamner à la prison à vie pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que pendant sa croisière dans le sud, Marilyn n'aura absolument rien à faire. À l'achat d'une télé 48 pouces que vous ne vous ferez jamais livrer chez Bro et Richard Martineau, courez la chance de gagner une des 50 croisières dans le sud et avoir la chance inouïe de visiter Châteauguay. Et en plus, les 36 versements sont exactement comme les discours de Justin Trudeau à l'international, ils sont sans intérêt. Oh. OK, un autre commanditaire. Fait que t'as un commanditaire qui s'appelle Bro et Richard Martineau. Ben toi. Ouais, ça... Ils vont peut-être revenir, là, plus tard. Allez, okay, prochaine. Salut tout le monde, c'est moi, Donald Pilon. J'ai connu un pic dans ma carrière en interprétant une pizza dans une annonce de restaurant qui vend plus de pizza. Mais aujourd'hui, je suis venu vous parler des fibres. Les All Brand de Kellogg sont remplis de fibres. Les fibres, c'est important pour la régularité. Ça, la régularité, c'est un terme poli qui décrit la capacité de vos intestins à chier de la marde. En participant au défi 2 semaines de All Brand, les fibres vont devenir vos meilleurs amis. Parce que comme le dit le proverbe, c'est souvent vos meilleurs amis qui vous font le plus chier. Prenez une demi-tasse de All Brand pendant 2 semaines, puis 2-3 antidépresseurs, parce que c'est déprimant en crise de manger des All Brand. Puis vous allez pouvoir pratiquer votre régularité plusieurs fois par jour, parfois à des endroits où vous n'aurez pas trop le goût de la pratiquer. On vous conseille de ne pas avoir de date pendant ces 2 semaines-là, puis de mettre une housse en plastique par-dessus votre matelas. Oui, les All Brand de Kellogg, les fibres vont devenir vos amis. Là, ça paraît pas, mais je suis déguisé en grosses fibres. Tu sais, la technologie pour faire de la porn avec le visage de quelqu'un d'autre, on dirait qu'avec ça, ça aurait été le fun, tu sais. Tu sais, Donald Pilon, il est là. Ça aurait été fou, hein. OK, ouais, je comprends. Ouais. T'étais pas obligé de passer par la porn pour dire mettre la tête à n'importe qui. Tu peux regarder deux femmes en or aussi. Par rapport à ça. Je te le concède. Oui. OK, prochain commanditaire. Remax présente se faire chier dans pelle.
quand tu donnes rendez-vous à ton acheteur pour qu'il visite ta maison, puis qu'il se rend pas à ton rendez-vous, il vient te chier dans la pelle, même si t'as pas de pelle sur toi, puis qu'il y aura pas vraiment des excréments. Mais avec le programme d'habilité de Remax, il va trouver un autre acheteur qui voudra pas plus acheter ta maison, puis qui va partir avec tous tes appareils électroniques. Finalement, se faire chier dans la pelle, oui, mais avec Remax. Quelle expression de marde! Maxime Drouin, 35 c'est ans. Très, oh. Très brun à date. Hein, un peu, ouais. Ouais. Maxime un peu, ouais. Maxime Drouin, 35 ans, aime échapper sa douzaine d'œufs dans la rue, attraper le sida en pilant sur une seringue, tomber sur du Nickelback en ouvrant la radio, se rendre compte que c'était pas juste un pet et mourir d'hypothermie en tombant en panne à Fermont. Attends, le gars, pause. Le gars, il a pilé sur une seringue puis il a pogné le sida, mais ce qui a vraiment fait chier le monde dans la salle, c'est qu'il aime ça écouter Nickelback, par exemple. Oh, franchement, là, tu vas jusque-là. Oh. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que pendant sa croisière dans le sud, Maxime n'aura absolument rien à faire. À l'achat d'un set de cuisine avec lequel on vous livrera pas les bonnes vis, courez la chance de gagner une des 50 croisières dans le sud et avoir la chance de constater que la prairie, c'est pas mal plate comme ville, finalement. Et en plus, les 36 versements sont exactement comme l'émission XOXO, ils sont sans intérêt. Yeah! Remax présente du sable dans le vagin. Quand ton acheteur trouve une vis cachée ou un set d'outils au complet caché dans sa nouvelle maison, ça se peut qu'il devienne irritable, puis t'as pas besoin d'avoir un vagin pour avoir du sable dedans. Mais avec le programme d'habilité de Remax, ton acheteur aura beau trouver des déchets nucléaires puis des morpions mutants qui chantent du Caïn, t'es protégé sur toute la ligne. By the way, avoir du sable sur le bout du bat, c'est pas plus agréable. T'en parleras à Stéphicha qui a déjà fait l'amour dans le désert. C'était ça. OK, j'ai un autre commanditaire. À l'âge de 6 ans, JC apprend qu'il peut lire l'avenir dans les cartes de hockey. À 10 ans, JC prédit la mort de son frère. Bon, ça a pris 20 ans, puis son frère avait la fibrose kystique, mais il a quand même vu juste. À 12 ans, JC découvre que ses dons peuvent lui permettre d'engranger un maximum de profits. À 28 ans, le ministère du Revenu débarque chez JC et le force à rembourser plusieurs milliers de dollars, ce que, malgré ses dons, JC n'a jamais vu venir. Allô tout le monde, c'est moi JC Medium. J'ai rassemblé les meilleurs médiums qui lisent l'avenir dans les cartes de hockey. Ça, c'est moi, mon beau-frère, le petit gars qui passe les journaux sur ma rue, puis Jeannot Bergeron a fait ça à cette heure. Vous voulez savoir qui est votre âme sœur? Vous voulez faire un changement de carrière? Vous voulez savoir c'est qui le tabarnak qui vole tout le temps vos boîtes d'Amazon? JC a les réponses à vos questions. Si je pogne un John Cardick, c'est comme la carte de la mort. J'ai appris presque tout le temps, puis il n'y a personne qui meurt. Téléphonez dès maintenant au 1-800-GC. Il n'y a même pas assez de chiffres dans ce numéro-là. 3$ la minute, 18 ans et plus. Je peux aussi te dire des cochonneries si ça te tente. Je suis ouvert à tout. Téléphonez maintenant. Et une petite dernière. Stéphane Gagné, 48 ans, aime échapper son portefeuille dans les égouts, sacré après Sophie Durocher, ne pas se rendre compte que son chat est rentré dans la sécheuse avant de la partir, saigner du bat sans aucune raison et avoir exactement la même face qu'un dangereux pédophile recherché. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que pendant sa croisière dans le sud, Stéphane n'aura absolument rien à faire. À l'achat d'un divan pas confortable avec un motif quétaine, courez la chance de gagner une des 50 croisières dans le sud et d'avoir la chance inouïe de prendre des selfies devant le cégep de Valleyfield. Et en plus, les 36 versements sont exactement comme les chroniques de Sophie Durocher. Elles sont sans intérêt. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Jonathan Simon, alias Johnny Publicité, une référence en matière de publicité au Québec. Toi, JF, t'as-tu comme dealé déjà avec des annonceurs? Toi? Qu'est-ce que tu veux dire, dealer avec des annonceurs? Ben, genre, t'as-tu déjà eu des comme lui? T'aurais-tu une liste de patrons à remercier? Genre? Ah, de dealer avec des annonceurs? Ben non, pas vraiment. Non, tu laissais ça au sous-fifre? Ouais. Je comprends pas ta question. C'est pas grave. Ah, OK. Je voulais savoir ton lien avec la publicité. Ah, ben j'en ai déjà fait. T'as déjà fait des publicités? Ben oui, j'ai fait des publicités pour Vachon. Ah. Ouais, j'ai fait ça. Moi, j'écoute genre 3 minutes de TV. Ah non, mais c'était seulement web, parce que justement, okay. T'écoutes 3 minutes de TV, puis je pense que t'es le public cible pour Vachon. Ben, en tout cas... Font-tu des Pop-Tarts? Non, c'est ça. Ouais. Moi, je suis plus rendu Pop-Tarts. T'es plus Pop-Tarts? Team Pop-Tarts. Non, mais attends, t'es-tu Pop-Tarts full dessert? Est-ce que tu manges les Pop-Tarts full dessert pour déjeuner?
Ben, oui. Parce qu'on s'entend que celle au chocolat, puis celle avec le gros glaze rose. Là, ah, parce comme, que celle au bleuet est meilleure pour la santé. Mais c'est ça qui est fou! Non! Vraiment pas! C'est la même affaire! Il est outré! Oui, parce que pourquoi est-ce qu'il y a des différentes sortes de pop-tarts? Ah, celle-là, t'as juste le droit le matin, puis celle-là, c'est quand c'est en collation. Non! Non! Vous êtes des menteurs! Vive le pop-tarts libre! C'est 7 et up lui-même pour être en tabarnak. Ben, moi, j'aime ça comment tu penses avec non, les pop-tarts. Non, mais assumons que c'est du dessert. Puis c'est pas grave. Tu desserts pour déjeuner. Au pire, tu prends deux paquets puis t'as plus faim. Là. Ça devient ton dîner. Mais ce qui est plate avec faim, le là, Québec, c'est que c'est qu'on a moins de sortes qu'aux States. Quoi? C'est vraiment super plate. La meilleure sorte, c'est cassonade et cannelle. Puis on n'en a plus ici au Canada. Fait que ça veut dire que tout le monde, là, vous n'avez pas assez acheté. Là, il va falloir que j'aille aux States pour penses-tu en acheter. Qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui a toutes les sortes? Là? Puis il fait comme moi. Oh. Je pense qu'il y a plus que quelqu'un. Aujourd'hui, c'est pomme cannelle. L'hostie d'enfant chien. Eh hey, ben merci, JF. C'est le fun de parler de Pop-Tarts avec toi. Et d'ailleurs, j'ai peut-être un petit service à te demander parce que tu as vu Joël Legendre là-bas. C'est notre house band. Et, oui, et j'aimerais que tu lui demandes un nouveau chroniqueur. Est-ce que vous pourriez apporter le nouveau chroniqueur? Félindra, tête de tigre! Avec plaisir, yo. Ça, c'est de loin ma préf de vos toutes. Je kick des affaires, 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 je kick un point, je kick un chat, je kick une boîte, je kick un chapeau, je kick un genre, je kick un arbre, je kick un mur, je kick un Sunday. Tabarnak! Je me sens comme si j'étais dans un de mes rêves. Pis c'est comme c'est malade mental. Genre, je suis comme genre, yeah! T'aimes ça, t'as une semaine de marde, Tommy? Ah oh, oui, oui. Moi, j'ai perdu ma job. 15 ans t'as eu, esti. Parce que je pourris. 15 ans avant que ça rende compte. Que j'ai fait... Si aujourd'hui, Cléopâtre avait pas le diabète, je manquais le podcast, tabarnak. Nesti d'affaires, man. Et là, j'ai plus de job, puis j'ai 15 ans en même place, je me suis comme monté le standard de vie un peu. Puis là, j'ai besoin d'argent. Au début du mois, j'ai gagné le concours du tatou le plus offensant pour payer mon loyer. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, je vais pas te le montrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui me détestent en ce moment à cause de ça, mais mon loyer est payé. Sinon, ben c'est ça, je me suis fait engager dans une production de Pégase. Je fais des films de cul, puis on est des dessins animés qu'il faut. Je pense que je suis Spirou, là, parce que le saut, il ressemble un peu, puis tout le monde se calisse de moi. Dérange pas, je vois ma bien normale. C'est pas de ça que je suis venu te parler. Là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça va être 5 minutes pareil. OK, bah oui. Bah oui. ouais, fait que c'est ça, Tommy. Nouvelle job qu'il faut que je trouve, puis tout. Est-ce que tu sais que je m'enlignais avec ça? Tabarnak. Avec ta nouvelle job? Ouais, ben c'est ça. J'ai besoin d'argent. Fait que j'ai pogné un. J'ai pogné un rôle finalement, je suis quand même content, je dois l'avouer. Je suis dans Baby Got Back. C'est le Mascouchois qui fait ça. C'est une troupe de théâtre d'été finalement. On fait la vie de Sir Mix-a-Lot en comédie musicale. Honnêtement, je suis content de l'avoir pogné. C'est un sujet que j'aime bien gros. Puis j'ai quand même honte, ça dérange pas. Je viens de me rhabiller un peu. Là. Ben non, mais fais comme tu le dis. Que finalement, c'est ça. On va être à Mascouche à partir de la fin juin jusqu'à probablement le mois d'août. Ça vaut crissement à peine. Hey, merci, man. Ça vaut. C'est pas à moi, ça. Fais attention, s'il te plaît. C'est à Pégase Production. Hey, man. Ça va être un bon show, parce que j'ai pogné le rôle que je voulais. Je suis Mary, l'ami de Becky. Fait que ça, c'est assez trippant, pareil. Je vous conseille tous de venir voir ça en bout de ligne, parce que. Tabarnak. Ah, je vais rester en bedaine si ça dérange pas. Ben non. Hey, j'ai une chemise là-dedans, si tu peux m'aider, ce serait vraiment agréable. OK, je vais pas regarder le monde. Ça fait que... Ouais, c'est ça. Je joue le rôle de Mary, l'amie de Becky. Ça va être super bon. On n'a aucune publicité, par exemple. On a tout flobé notre cash dans les décors. On s'est fait des mosaïques culture parce qu'on va être au Jardin Moore à Mascouche. Chris, le moins bon spot pour faire du théâtre, c'est exactement celle-là, mon gars. Tu connais mon côté western? On l'a bien. Chris.
C'est gentil. Puis, ouais, ça fait que... Human. Fait que on a fait deux grosses mosaïques culture. On a une dans Alice. Finalement, c'est juste deux gros culs pour comme célébrer un peu sur Remix Salot. C'est écœurant, c'est derrière la scène. Quand ils vendent, ça twerk. Faut que le vent vienne de l'ouest, par exemple, sinon c'est juste dégueulasse. À part ça, ouais, c'est ça, je suis Mary. Je sais pas si vous replacez c'est qui Becky dans la vie de Sir Mix-a-Lot, là. Ouais, c'est ça, ils la connaissent par là. Disons que j'ai comme un rôle secondaire, mais j'ouvre quand même pour la scène principale. Fait que ça, bravo. C'est vraiment le fun. Ben oui. Vu qu'on n'a pas d'argent pour la publicité... Tabarnak, c'est bien fait. Vu qu'on n'a pas d'argent pour la publicité, on met sur notre demi-scandale. Okay. Parce que je sais pas si vous connaissez Francis Perron. C'est un acteur, il a fait La Jachère avec Émilie Bordelot, il a fait la ben célèbre pièce La, la Jachère. Jachère. Oui. Ben, en tout cas, c'est lui qui a le rôle de Sir Mix-a-Lot, qui est un acteur mulâtre. Il va se faire un blackface. Fait que c'est ça que j'appelle un demi-scandale, tu sais, parce que c'est-tu correct, c'est-tu pas correct, il peut-tu pas, tu sais. Puis, merci, Jean. Chris, j'étais censé montrer mon tatou par accident, mais finalement, il m'a pas passé. Mais c'est un vrai tatou, je l'ai vu tantôt. Ouais, ouais, c'est pas pire. Honnêtement, jugez-moi pas, c'était juste pour payer mon loyer, je me suis fait ça. C'est. Tu peux t'enlever, tu peux t'enlever. Ouais, 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 on le voit bien, ouais. Ouais, un beau hashtag MeToo. Ouais, c'est ça, en haut du cul. je reçois beaucoup de menaces de mort, je reçois beaucoup de Je vais me défendre un peu, fait que je mange des petites volées. OK, ben voilà. Mais, ouais, tout ça pour dire... calé, je suis sous, man. Ben, on te souhaite que... on te souhaite que ça aille bien. Ouais, ça va être vraiment bien. Au Jardin Morse, fin juin jusqu'à début août. J'avais un autre truc à dire, Asti, ça allait régler la fin dans le monde, mais calé, j'ai oublié, tabarnak. Ton sac est très mal classé, je trouve. Il est mal classé, ouais. C'est plein de gaz hilarant. Ouais, ouais, ah, bon. Fait que s'il y a des gens qui n'ont pas assez ri à leur goût pour le show gratuit que je viens de faire, vous pouvez venir me voir, j'ai du gaz hilarant pour tout le monde. Nice. Ben écoute, j'ai carrément perdu le fil de mon idée, faut que je retourne à ma bière, je dois pas être loin de 5 minutes. T'as très bien fait ça. Alexandre Zarfati, mesdames, messieurs, le plus juif de nos collaborateurs. Hey, Mazel Tov, Mazel Tov. D'ailleurs, merci à JF Provençal qui s'est impliqué. JF, imagine un petit peu, ferme les yeux, là, imagine que, mettons, il y a deux vedettes qui restent trop longtemps dans la cage des tigres. Ouais. Et que là, Melinda laisse sortir les tigres et la herse tombe. Oh mon Dieu! Voyons, Chris, c'est sûr, ça peut pas arriver, ça. Ben non, voyons. Mais ça m'a tout le temps fait rire. Ouais. Dépêchez-vous, ben là, reste non, mais là. Ils lâcheront pas les tigres. C'est arrangé, là. Les tigres, c'est une shot qui se fait arrangé? Après, là. Ben oui. Il n'y avait pas pour vrai, il ne faisait pas vraiment rentrer les tigres. Il n'y a pas vraiment de tigres à ce moment-là. Ils sont derrière la cage. Mais là, relaxez. Ah, les tigres étant CGI. Mais c'était des gars à quatre pattes avec du green suit, là. Un peu. Mais c'est pas dangereux, Fort Boyard. C'est juste plate. Ben, moi je pense que la dernière affaire que j'ai écoutée de ça, il y avait beaucoup de Marie-Soleil Touga qui disait « On veut pas te perdre, on veut la clé. » Ouais. Puis genre, elle disait ça vraiment, vraiment beaucoup. On veut pas te perdre, on veut pas te perdre, on veut la clé, on veut pas ouais, te perdre. Prends ton temps, mais fais ça vite, là. Ouais. Ouais. On appelle ça des encouragements. Ouais, c'est ça. Toi, c'est quelle ton émission de TV préférée? De tous les temps? Ouais. Relever le défi, je le savais. Ouais. Non, pour vrai, oui, relever le défi, ah, ça, c'est malade. Moi, je paye 10$ par épisode de relever le défi que vous m'amenez, c'est sûr et certain. Mais là. Moi, j'ai déjà écrit au gars Total Crap, il a dit non, je vais pas te donner les enregistrements. Parce ouais, que ouais, c'est ouais. Ça, on parle ça à beaucoup souvent, de gens, ouais. Ouais, c'est pas. Je suis comme. C'est correct. Oh, c'est pas cool de faire ça. Mais en même temps, ça. Je comprends, tu sais. Ben c'est non, ça. C'est pas à eux autres. Faut que ça se partage. Oui, je. Oui, sauf qu'il y a un talent, celui qui les a tous gardés, il les a. Ben, ça a été du travail. C'est pas parce qu'il s'est... Ben, ouais, je sais, donc, je ça, sais. Ça n'a pas rapport. Non, mais j'espère que dans au moins 3-4 ans... Garde, mets-le sur Internet, on a assez payé. C'est ça! OK! Ouais. Non, non, mais regarde, on se part un Patreon ou un cas. C'est pas un Patreon, mais tu sais, comme combien que tu veux pour les mettre sur Internet? Oh. Un GoFundMe. Moi, pour vrai, sincèrement, c'est sûr je donne 20$. Ouais, ça prend plus de relever le défi. C'est, moi, je me rappelle, je rentrais de l'école, puis c'était ça qui jouait. Puis, tu sais,
je l'écoutais, je trouvais ça cave, puis je me rappelle le setting chez nous, chez mes parents, il y avait le vidéo juste en dessous. Tu sais, j'ai ouais, vraiment pu tout, droppé t'aurais pu toutes les, les enregistrer. Non, mais pareil, pareil, moi aussi. Hey, GF, ça a bien été la première fois. Ouais. S'il te plaît, summon un autre chroniqueur. Okay. J'aimerais ça avoir une autre chanson, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. La prochaine chanson parle d'un propos, you know, comme c'est pas toujours facile manger ses fruits et ses légumes, on répétera pas assez, jamais assez, Tommy God. Tu sais de quoi je parle. Mais des fois, ça arrive d'avoir des faiblesses. T'as pas le goût de manger tes fruits et tes veggies comme tu veux tergiverser. Yo, fait comme, c'est pas grave, mais ça arrive. Fait hommage à ça, aux petites faiblesses. Encore hier, si ça m'est arrivé. Calice. Quoi, viens pas me faire encore que ça t'arrive pas, même toi, chenou. En tout cas. Je vais get du Kentucky. Yo, je vais get du Kentucky. Je vais get du Kentucky. Yeah! Assoyez-vous, s'il vous plaît! Merci. Oh. Ouais, j'ai fait de plein de culture pour vous ce soir. Oh. Je reviens tout juste d'écouter Passe-Partout. C'est pour ça que j'étais un peu autoritaire. Non, en fait, c'est pas. C'est bien. C'était bien. Hein? Les marionnettes ont l'air du diable. Madame Coucou vient du Maghreb. C'est politically correct. Zigzag cherche plus ses parents parce que c'est offensant. Il cherche quelqu'un comme lui. C'est le même paquet d'affaires dans un nouvel emballage. Si t'es offensé par ça, ben c'est parce que t'es offensé par le fait qu'il offense personne. Fait que c'est pas mal ça que j'ai dit de Passe-Partout. Allez le voir. Toi, en plus, t'as enduré la première batch. Mais pourquoi qu'on critique un show pour enfants? Là? On est rendu où, tabarnak? Là? On est rendu en 2019, et en 2019... Tu peux tout critiquer sur Internet. C'est important. C'est important. Ça, pour vrai, c'est le seul instant où tu peux vraiment dire « get a life ». Ben, tu critiques Passe-Partout, là. Ah, oh, il y en a d'autres. Je suis capable d'imaginer d'autres occurrences que tu devrais aller avoir une vie plus que... là-dessus, Tommy Collin? Ouais, ben, ciao, salut. Non, ben, vous avez l'air d'avoir du fun, c'est correct. Non, j'ai vu autre chose de plus intéressant, en fait. Je suis allé vraiment du côté de la France cette semaine. Hein, on est allé voir la culture avec le grand Z. La culture... Et je suis allé du côté de la télé-réalité, parce qu'il y a des fans de télé-réalité dans la salle. Ouais, hein? C'est vraiment de la merde. C'est sur M6, une nouvelle affaire qui est sortie, Le sens de l'effort, avec la prémisse suivante, et si le service militaire pouvait régler le décrochage scolaire? Grande question, on va investiguer. Donc, on a un instructeur qui s'appelle Marius, qui n'est pas à sa première télé-réalité. Il a fait aussi Garde à vous, qui est aussi une émission de service militaire auprès de jeunes garçons pour qu'ils vivent un peu ce que leurs aînés ont vécu. Lui, demandez-lui pas s'il aime la télé-réalité, il haït ça. Fait que c'est pour ça qu'on a fait deux, hein, c'est important. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est un bonhomme qui a fait, en fait la marine, donc un commando de la marine, qui montre à des jeunes glandeurs, finalement, comment vivre la vraie vie, puis ça va les aider à développer leur estime de soi. Puis il sort des belles phrases quand même intéressantes, comme « Je suis ici pour dispenser une formation, mais attention, venez pas chier dans mes bottes. » Je trouve que ça commençait bien comme conseil, j'aurais pas voulu le faire, puis je pense que c'est vraiment une bonne voie à suivre. Il a dit aussi « Tu peux continuer ton train-train de vie de larve, parce que ça a l'air qu'insulter le monde, c'est sa méthode pédagogique, il dit lui-même. Ça a prouvé que ça fonctionnait. Ça a prouvé que ça fonctionnait. Donc, je vais vous présenter un peu ce que j'ai appris en écoutant le sens de l'effort. D'abord, le patron. Donc, il aime ça se faire appeler le patron. Hein, on ne peut pas dire monsieur, quoi que ce soit, c'est le patron. Donc, le patron, lui, peut t'arracher la tête d'une seule main si tu dis « ouais ». Il ne faut pas dire « ouais ». Salut. OK. C'est pas conseillé de porter des chaussures à 75 € pour la première fois quand tu t'en vas faire un bootcamp. Parce qu'on s'en crisse de tes godasses. C'est. Oh oui, quoi que tu fasses, surtout efface ton sourire. Non. Là, je suis en train de comprendre ce qui se passe. Là. Ben, écoute, t'es en train de nous faire une critique d'un show de TV présent, que c'est comme un télé-réalité show de bootcamp. De... Ah oui, okay. Je ne suis pas une critique, je te dis ce qui se passe. Okay, c'est prends-les bon. Comme tu veux. Ah oui, l'épreuve la plus difficile dans la vie, comme dans l'armée, c'est faire son lit. Important. Ouais, ils ont tous j'ai l'impression non mais j'ai l'impression qu'on assiste à des belles prémices que je comprends pas. Ouais, moi aussi, mais ouais, j'aime ça.
Ouais, moi, je peux pas vous vendre le punch. Allez le voir vous-même. Faites votre idée. Non, OK, ça m'intéresse. J'ai appris ça. C'est des choses que j'apprends. Aucun éditorial. Non. Quand tu fais un entraînement, le pire du pire qui puisse t'arriver, c'est de pas avoir de style. Parce que tout le monde est habillé pareil hein, dans l'armée, bien sûr. Fait que quand tu apportes ta robe, tes souliers, puis que tu peux pas les porter le lendemain parce qu'il faut que tu te brûles dans la boîte, ça, y a des choses qui arrivent. La première étape pour allumer une étincelle, c'est de se crisser dans l'océan. Ah! Pris hors de son contexte, c'est vraiment fucking drôle. C'est weird, là! Ça a l'air d'une métaphore. C'est parce que, en fait, c'est quoi? C'est parce que c'est comme les punchs que j'aurais pas eu la prémisse. C'est malade mental. Fais-toi une idée derrière ta tête. C'est comme super imaginatif. Continue. En 1944, 177 personnes qui suivent les ordres de quelqu'un pour se jeter à l'eau. On appelait ça un... Babou! Ben oui, mais non, un débarquement, niaiseux. Ah, c'est vrai, c'est débarquement vrai, de Normandie, raison, là. Ouais. En 2019, 22 personnes qui font la même chose, on appelle ça un... stage. Stage. OK, c'est bien, on suit. Oui, il se passe des choses, OK, bon. La vie, c'est pas le monde des bisounours, Tommy. Ah, c'est important, c'est la souffrance, la pénibilité, la faim, le froid, l'humidité, et ça, c'est bon pour l'estime de soi. Ouais. Sauter par-dessus un mur, ça réveille le passé sur un moyen temps. OK. Attends. Sauter par-dessus un mur, ça réveille le passé sur un moyen temps. OK, je vais te la mettre en contexte. Non, mets-moi-les jamais en contexte. Boing! Je saute par-dessus un mur. Ah, ça réveille des affaires dans ma tête. C'est la ça. Fois que je suis sauté à travers un mur quand j'avais 6 ans... Je m'étais pogné les chenolles dans la clôture, aïe aïe! Ben moi, ça m'a fait penser à la chicane. J'ai 32 ans, je suis pas encore revenu. Ah, la chicane! Ben oui, la machine à café! Le réveillage est passé, la machine à café. J'étais étonné, les murs font ça à cette heure. Dieu a le téléphone, puis sur son téléphone, il y a l'application Météo Média. Parce que... Mais non, c'est illogique, il est capable. C'est lui qui décide! Lui essaye encore! Non! C'est illogique! Continue. C'est sûr. Bon, on va finir avec une petite dernière, hein, parce que là, je sais que ton cerveau commence à souffrir. Non, moi je veux que ça continue. Ben, j'aimerais bien ça. Il n'y a rien de mieux pour célébrer une victoire que de marcher sur les abdominaux de l'équipe perdante. Mais ça, ils ont fait ça, genre « On a gagné! Ah! » Étendez-vous par terre! On dirait que tu décris comme le pire show au monde. Ou le meilleur. Allez le voir, c'est bon. Et ça a commencé la semaine dernière. Le deuxième épisode sort cette semaine. Ouais, c'est un épisode. Mais en termes de réalité, est-ce que tu as écouté Terrace House sur Netflix? Non. C'est vraiment, vraiment space parce que c'est des Japonais, OK? Puis ils sont vraiment weird parce qu'ils se disent jamais... Parce qu'ils sont japonais. Ils se disent jamais la vérité. Tu sais, comme, mettons... Faut que tu lises entre les lignes constamment dans la société japonaise, puis il y a des affaires étranges, là. Comme dans la série que je suis en train de regarder, il y a comme une fille qui s'en va, parce qu'ils décident quand ils partent. Là. C'est comme un genre d'occupation double qui n'a pas de but. C'est juste comme, je suis là. T'sais. Mais c'est super intéressant parce que tu vois les Japonais vivre. Puis là, à la fin, la fille, elle a joué au hockey comme professionnellement. Puis elle n'est jamais là au loft. On la voit presque jamais. Puis là, elle s'est fait un chum dans l'émission. Puis elle a dit à tout le monde, moi, je vais partir. Puis là, tout le monde commence à brailler intensément. Mais elle n'a jamais été là. Mais elle n'était pas là jamais. Elle n'était pas là. Mais il braille, là, vraiment, des chaudes larmes. Parce que le coloc déménage. Parce qu'une coloc déménage, c'est... Puis il y en a plein là-dedans que tu sais que ça n'a pas rapport qu'ils pleurent, mais ils pleurent pareil parce que la pression sociale de pleurer... Ouais, ouais, c'est ça. Que là, c'est, tout le si monde si tu pleures pleure, pas, le monde autour va trouver... C'est whack, mon gars! Tabarnak! Godspeed, on se rejase, tu sais. T'as mes digits, tu sais. En tout cas, hey, décris, toi. Oui. OK. Bye, merci peace. Beaucoup, Tommy Colin-Vallée, mesdames, messieurs. Hey, d'ailleurs, j'ai quelques petites annonces parce que vous savez, les vendredis au Musée de l'Absurde, on a tout le temps une soirée porte ouverte. Et ce vendredi, c'est la très charmante Amélie Pépin, qui était notre invitée il y a quelques semaines, qui nous a amené une playlist de films de zombies. On va avoir un vendredi totalement zombie. Et comme c'est la nuit blanche samedi qui vient, on a décidé de s'impliquer là-dedans aussi. Le Musée de l'Absurde va être ouvert jusqu'à 5h du matin et on va mettre toutes sortes de... films et autres affaires à tendance hivernale, ça devrait être très divertissant. Venez avec qui vous voulez. Là.
C'est ça, il va y avoir Nathan Stru là-bas. Ça devrait être une belle aventure. Sinon, ben 70%, on est disponible sur Spotify maintenant et sur notre site Internet. Vous allez facilement trouver un bouton qui mène vers des T-shirts, puis des tasses, puis des affaires de même. Si tu veux avoir le logo de 70% pour shiner un peu partout. Voilà, c'était les invitations de la journée. S'il te plaît, Joël, on s'en va au prochain chroniqueur. Merci, Tommy God. Hey, je relate l'émission japonaise. Je me suis tapé ça, moi aussi, je ne savais pas pourquoi. Je suis content de voir que je ne suis pas tout seul dans ce, ces méandres. Puis, ben écoute, je ne pouvais pas passer à côté. Hein. Vous nous avez rendu hommage à la communauté de l'Hippocamp. Fait que, je sais pas, Toto, man, toi, tu serais-tu un elfe, mettons, si tu irais à Bicoline? Il est où, est-ce-tu? Chris, il est là. Sur le chemin de Bicoline, j'ai vu Toto sur le chemin. Et je suis pas tombé en amour sur le chemin. Oh, de Bicoline, c'est bien pour dire sur le chemin. Je t'ai quand même apporté un yoga. Oh! Chinook! Non, pour vrai, je t'ai apporté un yoga, c'est fucking important. On va se rattraper pour le PFK, mon gars. On mange ses fruits, c'est Dairies. Est-ce qu'il représente? Ah, ben, man. Mange tes fruits! Oh. Joël Légende a un message à passer. Ouais, c'était assez clair. Joël Légende, mais messieurs. C'était. Oui, oui, oui. Ah oui, ben oui, applaudissez notre house band. Bon, tout ce podcast-là, c'est comme une intervention pour mieux manger, là, dans le fond. Oui, voilà. On a beaucoup de collaborateurs qui aiment manger. Ah, c'est ça. Vas-y, vas-y. JF, bonjour. Oui, oui, bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, je suis très content de faire partie de ton rêve. Ouais, c'est le fun. ton subconscient nous parle. J'aime ça. Tommy, bonjour. Ben oui, ben oui. Hey, t'as-tu vu Toto? Mes parents sont là-bas. Ben oui, j'ai vu tes parents. Mon papa, ma maman, puis mon petit frère. Hey, applaudissez ça. Parents. Come on! C'est-tu que je les aime? Ça, c'est du bon monde, tabarnak. C'est sûr que oui. Puis bon, moi, tu sais, je te connais. Oui. Je les connais, mais je les pardonne. Tu comprends? Parce que non, mais je suis sûr qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je suis sûr. Je suis sûr que oui. Non, non, mais hein, on fait qu'est-ce qu'on a. C'est pas toujours évident. Hey, non, Tommy Godette, mesdames et messieurs. Hey, non, mais là, on fait des farces, puis on rit, puis tout, mais ça paraît pas de même, là, parce que je suis un piètre comédien, mais je suis fâché. C'est vrai? C'est pas une affaire de liberté, encore? Ben, ça joue, Tommy. Okay. Ça joue. Okay. En fait, c'est oui, effectivement, ça peut avoir rapport avec ta liberté. Est-ce qu'il y a des gens, par applaudissement, puis là, je sais que j'aimerais pas la réponse, mais les gens qui ont Facebook, par applaudissement? Ils sont fiers, en plus, t'as-tu vu? Ben oui, c'est difficile. Ils sont tous contents. Ben, tu leur as demandé par applaudissement. Ben si t'avais demandé en huée, probablement que ça aurait eu un... Ah, ouais, j'aime ça. J'aime ça, c'est vrai. Un wise. Faut choisir son canal, hein? Oui, parce que moi aussi, j'ai ça, Facebook. Puis là, je le lis. Ah, oh, tu vois, grosse là, c'est pour erreur. Ça que je suis en tabarnak. Prends pas la tête à Papineau. Oui, effectivement, la solution, hein, c'est toujours un peu la liberté. Là, en ce moment, la solution, moi, quand je vous lis sur Facebook, je me dis, c'est clair, hein, j'en ai déjà parlé souvent, mais c'est important de le répéter, vous écoutez pas assez de lutte. Je le dirai jamais assez souvent. Je suis d'accord avec ça. Ah ouais, un Provençal, un fan de lutte? Ben, oui. Ben oui, certainement. Ça paraît à la barbe. Tu vois? Non, non, mais écoute, c'est un gars intelligent qui a une tête, Oui. C'est sûr que oui, là. Parce que moi, que vous écoutiez pas de lutte, à la limite, je pourrais vivre avec, là, mais de l'autre bord, vous votez. Puis c'est ça qui me gosse. Tu comprends? C'est là, il est là mon problème, moi. Tu comprends? Moi, ce serait, en tout cas, il y aurait comme un test. Tu veux le droit de vote, moi, te le donner. Ah ouais, c'est ça. Mais faut-tu répondre à des questions de base. Qui Lex Luger a promis de lever au-dessus de sa tête? Voilà. Et tu vois, toi, t'aurais déjà. Un début Yoko de nationalité. C'était Yokozuna. Ah, ben là, tu l'as. Là, il y a son passeport. C'est l'ancêtre de Hulk Hogan qui lève. Ou non, non, c'est la suite, l'Ultimate Warrior c'est la qui suite. Levait le monde plus haut, mais Lex Luger, lui, il faisait la prise de poche de patate. On sent tabarnak. Ouais, non, mais normalement, je serais en crise que vous parliez pendant ma chronique, mais là, vous parlez de lutte, fait que je vous laisse aller. Il n'y a aucun non, stress. Non, mais c'est comme Brock Lesnar qui fait juste des souplexes tout le temps. Ouais, ça gosse. Oui, ça gosse. Ou comme le 1-2-3 Kid, hein?
faisait 1-2, puis là, il sautait. Ah oui, le 1-2-3 kid, il était malade. Les gimmicks de bombes atomiques, là, fuck off. Ouais, continue. Voilà. Voilà, c'était avant la cocaïne et les... En tout cas... Avant le bon temps. Avant le bon temps, voilà. Peu importe. Hey, mais c'est ça, fait que c'est ça. Je vous lis sur Facebook, puis je trouve que vous manquez de lutte dans la vie. Il y en a beaucoup, hein, sur Internet. Je sais pas si vous le savez. Non, vous le savez pas, parce que vous utilisez clairement pas l'Internet comme il faut. Mais moi, je vous le dis, il y a beaucoup de luttes dessus. Donc voilà, c'est facile à trouver. Vous tapez vieille lutte. Tu sais, au lieu de taper, mettons, Journal de Montréal, tu tapes vieille lutte. Tu vas avoir une estime meilleure journée, man, je te dis. Tu serais surpris! Parce que moi, j'ai calculé que dans mon Facebook à moi, juste dans mon Facebook à moi, qui est plus à gauche qu'autrement, pour critiquer Richard Martineau, ça représente quand même peut-être 50% de ses shares. Fait que tu sais, si t'aimes pas Richard Martineau, arrête de sharer ce qu'il fait, puis à un moment donné, il va former sa gueule. Pas vrai, c'est aussi simple que ça. Hein? Ben, je pense que c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple parce que le Journal de Montréal, et on le voit quand ils écrivent, ils doivent compter comme ils écrivent. Donc, quand ils comptent, ils comptent juste les partages. T'sais, ils comptent pas les partages de monde qui ont dit quand, c'est de la merde. Non, c'est une lecture ironique, ça compte, non, comme, une ça compte comme une lecture. Mais quand, c'est ça, mais quand je fais comme quand je veux parler de quelque chose comme ça, je fais un screenshot de la patente que je veux parler. Comme ça, les gens cliquent pas sur le lien. Mais ils regardent ton image. Voilà. Là, et voilà. C'est déjà beaucoup mieux. C'est mieux. Liberté, anarchie, nous allons gagner. Sinon, on remarque aussi. Gagner. Mais c'est ça, on remarque aussi qu'il y a beaucoup de... Moi, le monde qui partage Martineau en disant « c'est de la merde ce qu'il vient d'écrire », c'est le même qui commence souvent des posts par « je m'en calisse de ça ». Puis là, ils vont faire un long post sur quelque chose. C'est comme « je m'en sac de tes hosties d'Oscars », fait que je vais poster pendant les Oscars pendant comme 3 heures, ouais, non-stop, à tous les trophées, genre. Parce que je m'en calisse tellement que je voulais que tu saches. Moi, ce que j'aime... c'est mon opinion. Oui. C'est moi que j'aime. C'est la chose la plus importante. Lisez-moi. Moi, j'ai pas posté sur les Oscars, mais j'ai juste remarqué une affaire qui me gossait un peu. Vous remarquez au-dessus du stage, il y avait la coupe de cheveux de Donald Trump? Oui. OK, c'est bon, j'étais pas tout seul. C'est bon. Okay. J'ai rien vu, mais... Puis moi, j'ai aimé aussi, ça a fait un peu comme pendant la grève des journalistes sportifs à Radio-Canada au début des années 2000, où ils diffusaient quand même les games de hockey, mais sans les commentateurs. Ouais. Puis là, tout le monde s'est mis à vraiment aimer ça. Moi, t'es comme « Fuck, c'est vraiment bon, man! » C'est vraiment meilleur, pas de commentateur. Effectivement. Puis les journalistes ont fait « Non, non, on l'a réglé, là, le conflit. Là. On va revenir, là. C'est ça. Fait que c'est ça. Je vais finir avec ça. Écoutez plus de lutte. Puis mangez vos yogos. T'as-tu une suggestion d'affaires de lutte qu'on doit écouter? Moi, je te dis, en ce moment, je suis sur une grosse talle sur YouTube en ce moment de vieil épisode de Georgia Championship Wrestling au début des années 80. OK. On a Ric Flair, Dick Slater, Buzz Sawyer. C'était carrant! Ah ouais, hein? Puis en plus, il y a les pubs. Puis, il y a les pubs. Holy oui, crap. C'est le TBS de Superstation dans le bout d'Atlanta. C'est un poste à Ted Turner. Et 100% des événements sur le poste sont commandités par Pabst Blue Ribbon. C'est malade. Wow. Voilà. Wow. C'est dit. Antoine Lavigne, mesdames, messieurs. J'ai l'impression qu'on va le revoir à l'enquête tantôt. GF, oui? Y a-tu comme un humour que tu préfères ou t'es multi? Moi, je suis multi-humour. J'aime l'humour en général, en fait. Ouais, je suis poli humour. Moi, j'aime l'humour propre, genre. OK. L'humour dans lequel il n'y a pas de victime. Tu sais, comme les jokes sur le petit Jérémy, genre, ces affaires-là. Ça, c'est très propre, ça. Ça, c'est. Ben oui, on est en train de le vivre. En fait, je pense que le petit Jérémy, c'est probablement la chose la plus sacrée pour le Québec présentement. Tu penses? Ouais. OK. Je pense que c'est tellement important. C'est vrai. Ben, je pense que tu as plus de chances de te faire poursuivre si tu fais une joke sur le petit Jérémy que si tu fais une joke sur Jésus, mettons. Jésus, il n'y a même pas d'avocat. Non, non, c'est ça. C'est chums, c'est tout comme des pêcheurs puis des affaires d'avant. Il n'y a pas d'avocat. Non, pas d'argent. Non, non, non. Hey, aïe, aïe, aïe. On y va pour un dernier. Aïe. Je suis rendu avec du yoga. Oui, 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 oui. Le seul, l'unique. Oh, oui. Tu peux danser si tu veux. C'est un petit peu dur assis. De toute façon, ça s'arrête dans 30 secondes. Tu peux rendre hostie. Oui. Big Pimpin' Mathieu Boudreau, mon pusher de bébé chameau, tellement profond, check-y les yeux. Si tu réussis à suivre, tu vas te coucher moins niaiseux. Ou pas. Vous avez vraiment une faune bigarrée dans votre podcast, hein? C'est hey, c'est jamais à quoi m'attendre. Voilà.
Il y a cette limite qu'on connaît moins ici. Ah oui. Hey, comment tu vas? Bien. C'est pas grave. C'est juste, je t'amène ailleurs, tu ris. OK. Je suis allé au village. Hey, Nick! Yeah, man! On est allé au village des Valeurs sur le boulevard Stachereau en fin de semaine. Tout coûtait 21,99. Tout. Au village des Valeurs? Oui, au village des Valeurs. 21,99. Hey, checkez vos affaires, gang. Sinon, non, mais c'était ça. On est sorti. Puis après ça, on est allé au Marcado. Ouais. C'était incroyable. Ma mère aime bien ça, ce place-là. C'était incroyable. Là, je me demandais, c'est qui achète ça, les égreneurs plaqués or avec une tête de mort marquée « weed » dessus? Arc! Tabarnak, que c'est lettre. Ça serait drôle sur les râpes à légumes, c'était comme écrit genre « carotte ». Ouais. Yo, as-tu vu ma râpe marquée « fromage » Là, tu peux dévisser le dessous, puis là, t'as toute la poudre de carotte. Ouais. Là, nice! Ça va me rendre légume. Fait que cette semaine, j'étais chez ma psy parce que, tu sais, 1 plus 1 égale 3, la terre est creuse puis le gouvernement veut me tuer. Ça inquiète des gens. Tout ça... Je pense qu'il y en a un qui a un défaut. Je pense que t'as scoré dans le ciment solide. Là. Il est brisé, je pense. Il a amené un sac en papier qui respire dedans. Là. qu'on lui apporte ce qu'on vient de dire qu'on va lui apporter. Tout ça parce que je suis un ange. Ben oui, je suis un ange. Mon nom, c'est Vehoya. Là, il y a... Calme-toi. Il y a certaines personnes qui entretiennent l'idée que ça se dit Vehoya, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment Vehoya. OK. Pas ici de parler de prononciation, hein. Mais en même temps... On est-tu dans la maison du dada? C'est ça qui se passe, là. Jean-François, je dirais juste que si tu veux m'invoquer, en fait, il faut que tu me prononces comme du monde. Je m'en vais dans le walking à ma mère. Je ferme la lumière. J'apporte une petite lampe de poche. Vehoya. 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 Puisses-tu venir m'aider dans mon aventure dont vous êtes les héros? Dois-je aller à la page 58 où il y a un tigre? Ou aller à la page 27 où je pourrais manger des champignons? Aide-moi, Vehoya. Va à la page que tu veux. Tout ça parce que je suis un ange. Moi, je suis né à une époque où la matière était condensée. Ça fait que j'ai des pouvoirs magiques. Finesse d'esprit, hein, compréhension rapide, succès dans les sciences et les arts. Tu décris comme ta fiche de Donjon et Dragon, là? Continue. C'est ça, j'ai lu sur Internet. Comme présentement, je le sais, Honestie, hein, que tu te demandes de quoi je suis en train de te parler. Et puis c'est bien correct, hein? Qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je? C'est toutes des questions qui sont légitimes. Je sais même pas d'où c'est parti tout ça. Je me souviens pas du début, mais j'aime ça. Continue. Non, mais c'est correct. C'est juste moi, je suis pas ici pour te dire d'arrêter de regarder ton sel, hein? Moi, je suis le premier, j'arrête pas, je regarde sans arrêt, je regarde constamment. Je regarde tellement, si t'as se demandé, je le regarde pas en ce moment. Qui sait? Holy crap. Qui sait? Non, mais je sais pas, je t'ai parlé de la Terre creuse. Non. Les géants qui voyagent en vaisseau spatial. La couronne de Dharma. Hein, la grande illusion, je sais pas. Non, mais ça, c'est toutes des affaires que si tu cueilles la même rose que moi, il faut que tu t'assures d'être capable d'assumer le fait que tu viens de te faire mordre par le serpent. Je veux. Moi, il y a une réponse qui me vient spontanément, c'est 32 47 66 24, mais tu peux faire dire la même réponse au chiffre que ça tente de dire. C'est juste. C'est comme ça, c'est juste. Une fois. C'est pas compliqué, OK? Une fois, le monde, ils ont compris que 66, c'est 7.
puis que 32, c'est 24 plus 8, moi, ma mission est finie. Waouh! Waouh! T'essayes juste de passer ces simples messages. En tout cas, là, faut que tu me rassures. T'es con! Mais non, personnage, ça, là. T'es vraiment super con! OK. Mais c'est parce que moi, tout ça, ça me déprime, tu comprends? Et c'est ma psy, ma psy, elle me l'a dit, elle m'a dit, vous semblez faire de l'éco-anxiété. Et moi, ça fait 300 ans d'industrialisation. Je me fais crisser dehors de tous les comités pas possibles parce que je suis tout le temps en train de leur dire qu'ils prennent des décisions de cave. Laisse-moi te dire que malgré le fait que je suis un ange, Tommy, plus trop le goût de m'impliquer. Parce qu'à date, le constat, il est simple. C'est compliqué. Les anges sont pas bureaucratiques, c'est ça que tu me dis, là. Ben, on porte des cravates, c'est pas ça. Ah, okay. Ils portent des cravates. Je te cacherai pas qu'il y a beaucoup de ramifications. Et puis, ramifications, je suis pas sûr de qu'est-ce que ça veut ça, dire. Ça, c'est l'affaire qu'on sort, là. Tu sais, on met des affaires dans les vérines, les petites ramifications. C'est ça, c'est des ramifications. C'est exactement, vérines, c'est exactement là, tu sais, les petits desserts, OK, c'est beau. Les petites affaires, puis toi, tu fais ça de même. Oui. Ouais. Il y a énormément de ramifications, je suis pas certain de ce que ça veut dire. Et même si je voudrais emprunter un chemin ou un autre, moi, j'arriverais toujours au même constat, c'est que c'est assez facile quand même de passer 5 minutes à rien dire. OK! Ah! Là, je cache! Hey, on a-tu du fun? Bon. Non, mais c'est correct. C'est facile à faire, faut juste t'oublier de penser. S'il y a une affaire, je veux que tu te souviennes, c'est certainement pas la linéarité de nos lignes de temps, parce que à un moment donné, tu vas te perdre. C'est juste, pense à ça, amène ce que t'es capable chez vous, puis donne-en le plus possible aux autres. T'sais, le reste, c'est de la sueur puis de l'hygiène. C'est-tu Albert Einstein qui a dit ça? Ou? Son frère. Ah! Alain Einstein. Alain Einstein. Mais tu ris, mais tu sais, probablement qu'il non, y avait quelqu'un dans... Non, je ris pas. Ah, oh, excuse! Non! Il est très sérieux. Bon, OK. Au mieux, une théorie de la gravité quantique qui se peut, puis au pire, un virage santé de PFK. Bonne nuit. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs! Ah, ça, apprécié, hein? Hey, ça, c'était une aventure. Oui. C'était une aventure. Oui. Ben, d'ailleurs, il a utilisé la page 102, va vers le non-sens. Oui. Crois-tu à ça, toi, les anges, les fantômes, ces affaires-là? Il y a une partie de moi que oui, puis une partie de moi que non. Fait que, comme, vu que je le sais pas, on dirait que je pourrais croire. J'ai déjà cru aux deux. OK. Moi, la chose que je veux le plus et le moins voir, c'est un fantôme. OK, mais pourquoi? Développe. Ben, parce que ça va être obligé de tout, tu sais, ta conceptualisation de la mort, puis de tout. Tu vas être obligé de tout rouvrir, ce dossier-là. Oui, mais ça va régler quelque chose. Tu vas faire, ah, il y a des fantômes, donc. Ça règle rien. Ben non, ça règle tout. Hey, mon frère, ça règle rien. Moi, c'est comment sûr. Ça règle ben non, rien. Mais ça rouvre un nouveau chapitre. Oui, ça ouvre un nouveau chapitre, mais au moins, tu le sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Ben, tu sais. Ben, ouais, ça règle quelque chose. Tu sais que tu peux venir rentrer un cadre de porte puis dire, ouh, au monde. Ouais, mais c'est pas une éternité. Tu sais, les fantômes, là, OK? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont des fantômes? On ne sait pas, ça. C'est ça qui est fucké, parce que ça se peut qu'il y a des fantômes qui voient d'autres fantômes, font comme genre « Fuck, il y a des fantômes! » Ouais, ça se peut, ça se peut. Parlez-vous, la gang! Tu sais, des fois, je suis là, je vide la vaisselle, les armoires, j'ouvre les armoires, je vide la vaisselle, puis il y a un fantôme. Moi, tout ce que je fais, c'est je vide la vaisselle, je fais d'autres choses. Non, je vide tout le temps la vaisselle, il y a là, un fantôme. Là, t'es un fantôme. T'es un fantôme! Ben oui, c'est ça. Puis là, tu sais, en tout cas... JF Provençal, mesdames, messieurs! Je sais pas. C'est-tu ta crainte, ça, d'être le fantôme qui vide la vaisselle? Que ce soit ta punition éternelle de vider la vaisselle? Donc, on arrive vers la fin du show. On a un hommage pour toi à te montrer. Juste après, on va aller prendre plein de photos. Dans le fond, je veux faire une photo de Luther avec toi. Ça te va? Ben oui. Ça te va? En fait, si on veut te suivre en ligne, Twitter, Facebook... Je suis surtout sur Instagram ces temps-ci, @JFProvençal. Fait que c'est pas mal tout le temps tout ça. Simplement. JF Provençal partout. Là, tu vas me trouver. Google. Ouais, Google. Mais en fait, non, mais je suis plus sur Instagram ces temps-ci. Puis sinon, c'est pas mal ça. Là. Et voilà, c'est dit. S'il te plaît, on s'en va voir un dernier bloc de nouvelles.
T'as pas trop mal à la tête, Jay Frizzle? Ça va? C'est chill. Et en passant, merci pour tes mimes québécois. Yes. On retourne aux nouvelles. Bébé. Mais ouais, ils vont faire les mêmes bruits que tantôt. Tu le sais, c'est quoi qui se passe? Danse comme t'as jamais dansé chez nous. Les nouvelles font scrr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 r
Ouais. Avant, c'était correct. Avant, c'était correct. C'était une bonne idée. Ben, c'est ouais, ça. Ouais. Mais tu fais les mêmes dessins, mais à cette heure, tu te dis qu'elle a 18 ans au lieu de dire qu'elle a 16 ans. T'sais. Et c'est aussi le seul pays où tu peux acheter des bobettes sales dans des machines distributrices. C'est pas le seul. Moi, je suis allé et j'en ai pas vu de ça. Non? Non. T'es allé au Japon? Je suis allé au Japon. Ouais. Ah, c'est ça dans tes yeux? Oui. Mais Japon, hein, tu sais, c'est quoi qu'ils disent? C'est la Floride de la planète. À plusieurs égards, non. Non, mais d'une certaine manière, je me comprends, Jean-François. S'il vous plaît, un gros merci à tous les chroniqueurs. Merci beaucoup à Joël Légende, le house band là-bas. Merci à Nathan et à Mathieu Potvin, les techniciens de la soirée. Hey, on applaudit les techniciens. Merci Bruno. Et puis, c'est quoi? Hey, merci à Toto. Merci à Jean-François Provençal. Go! Ouais. Et on écoute Joël Legendre une dernière fois. On danse les choses et on a un montage qui a été fait par Sarah Paquette pour un hommage. On va appeler ça de même à notre invité provençal. Merci tout le monde d'avoir été là pour 70%. Allez pas trop loin, la soirée commence. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. Ouais, man, je vais faire une petite chanson, et oh, et pas de moi, comme toutes les autres, mais pas juste moi qui est obsédé par la bouffe, you know what I'm saying? Fait que y a aussi Loud. On le sait, t'es qui, Loud? On le sait que t'es Simon Clich, on le sait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Enterrez-moi sur du pâté chinois, oh. Ketchup sur ma tombe, steak blé d'inde, patate dans l'ordre, comme dans petite vie, trompe-toi pas. Oh, oh, oh. Prends tes ustensiles, let us be un petit pain. Bye tout le monde, merci d'avoir été là, bro. Woo! Oubliez pas de manger vos fruits, vos légumes, faites vos exercices. 70% fin forme, c'est pas rien. Hey! 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 Qu'est-ce que t'as fait de ta soirée? Tu twerk des jambes, des genoux, des pieds? Fais la grenouille, fais l'éléphant. C'était 70%! Douter et questionner tout le temps. 70% fin forme! 70% fin forme! Et le mot de la fin avant que Tommy aille faire des parties de bacon, ça sera SCUSCU! Michel a soif. Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. Comment ça va, Montréal? Je n'ai rien entendu, comment ça va? Hey, vous êtes des malades! Ouais! Par applaudissement, est-ce qu'il y a des malades dans la salle? On a catché tantôt! Hey, t'as-tu vu, Boudreau? T'as-tu vu? Ah, j'ai 6 ans et demi! J'ai compris, quand il va dire applaudis, il m'a fait chou! C'est ça, hein, vous êtes hot! Ok, par huée! Le monde qui sont hot! Ah ouais! C'est ça! Facile à mélanger! Je le sais comment tu votes, moi. Facile à fourrer. OK! Hey! C'est pas une casquette d'Illuminati, c'est une casquette de baseball. T'écoutes trop de métal à l'envers, toi. Lui, il écoute du métal, puis après, il le tourne à l'envers. Pff, c'est pas bon pour la tête. OK! Merci d'avoir ri de ma joke. Hey! Mesdames et messieurs! Mon nom est Toto Lavigne. Et c'est l'heure de l'enquête douteux! Et pour ce faire, non, l'enquête, comme tel, n'est pas à vendre, Chinook. C'est pas, ça devient compliqué, mettons. Pour ce faire, je suis flanqué, évidemment, de l'équipe habituelle.
Les jumelles fuck-all, Gab Lantier et Mathieu Boudreau! Oui, les jumelles fuck-all. Je sais plus quoi dire, OK? C'est eux autres, là. Hein? C'est ça. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui sont un petit peu des fans d'histoire de la culture québécoise, mais Mathieu Boudreau, en ce moment, il porte un cosplay. C'est le cosplay du gars qui joue de la flûte sur l'heptade. Oh oui, ouvre tes... Hey, check tes flûtes. Je te le dis, il est pareil comme le gars qui joue de la flûte traversière sur l'heptade. Pas celui qui joue de la flûte de pan, celui qui joue de la flûte traversière. C'est très important. Voilà, t'es pareil. Ben, sauf le chandail, là. Parce qu'il n'y avait pas un chandail de Laurent Paquin, ça, c'est... Laurent Bourque! Pas Paquin, Bourque. C'est encore mieux. OK, hey, amène-moi des cossins, parce que c'est l'heure de vendre des cossins. Hey, en passant, Tommy en a parlé un petit peu tantôt, mais ça n'a pas été la semaine la plus facile au monde, au musée. Comme en témoignent les rires nerveux de Nathan. Nathan, d'ailleurs, qui est quelqu'un de très adéquat, si jamais vous avez rien à faire dans la vie, vous allez voir Nathan, vous lui dites « Hey, je te trouve très adéquat. » Ça, il aime ça, ça le réconforte. Puis ça le rend stable. OK! Qu'est-ce qu'on vend, là? Parce qu'il faut que tu me le montes à moi avant de montrer. Ah oui! OK! Ben non, c'est pas que je suis jaloux, c'est qu'il faut que je sache c'est quoi. C'est ça qui arrive. Alors, ici, on a un album emballé Mint. Jamais écouté, vous tirez vos propres conclusions. Ça s'appelle « Mon arc est une guitare » de Hugo Lapointe. Oh oui, le frère de l'autre, là. C'est son frère. C'est son frère. Ça paraît. Il vient de Sept-Îles, dit-on. Je sais pas. Oui, effectivement. On sent tabarnak. Voilà. Et évidemment, comme on n'espérerait pas que vous écoutiez ça de même, tout seul, vide, évidemment, qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper les mains quand on écoute du Hugo Lapointe? Parce que c'est important de s'occuper les mains quand on écoute du Hugo Lapointe parce qu'un nœud coulant est si vite arrivé. Donc, déjà, on reconnaît ici Batman Lego. Ou en tout cas, dessiné carré. Hein. Puis... Et ici, c'est un jeu, c'est le fun, parce que c'est pas frustrant du tout, pis ça donne pas envie de se suicider. C'est que il y a une petite bille en métal, puis un labyrinthe en plastique. Puis là, faut que tu... Je suis plus capable. C'est l'enfer. À l'odeur, ça vient du McDo. C'est peut-être Harvey's aussi, là. McDo, mais on dit McDo. Alors voilà, ça me va. Ils sont au nombre de deux. Ça part donc à 2$. Ça me va. 3? J'ai 3, hein? Oui. Ben oui, off. C'est le gars le plus résigné au monde, il est là. 3, man. Alors, 3 une fois. 3$ deux fois. 4 piastres! Hey, des piastres, ça vaut plus cher que des dollars, man. Ben oui. 4$ une fois. 4$ deux fois. And now you knew the drill. 4$ trois fois vendu. Qui sait? Hein? Peut-être que dans cet album, d'Hugo Lapointe se cachent les réponses aux questions que tu te poses depuis tout le temps. On le sait pas parce que personne ne l'a écouté, de toute évidence. Mais éventuellement... Ah, oh, ça, c'est hot! Ça, c'est important. Oh, oui, ça, c'est important. Mesdames et messieurs, blague à part, tout le monde connaît ici Johnny Publicité. Joe Simon, mesdames et messieurs. Joe Simon, c'est la sommité au Québec en termes de pub. Si la pub que tu te souviens a passé une fois à la télé, là, ben lui-ci, il s'en souvient. OK? Puis il y a de la merch. Fait que là, on vend sa merch. Johnny Publicité! C'est hot, là, ça, là. Il est vraiment beau. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a une petite affaire trop de manches, mais bon, c'est... À chacun ses goûts, hein? Voilà!
5$, ça me va. 6. 7. 8. 8. 8$ une fois. 9. 10. Oh, tabarnache. 10$ une fois. 11$. 12. 12. Hey, vous réglerez votre beef après dans la canne, là. 12$ une fois. 15$. 15. On s'approche du cost tranquillement. 15,25. 15,25 une fois. 18$. Là, on a bossé le cost, je pense. 18$ une fois. Oh! 26 toi, t'avais 15$ d'investi dans le projet, pis tu savais pas s'il te faisait ou pas? Non, ben là, oui. Ok, mais là, tu le sais, avec là, 20$! 20$ une fois. 20$ deux fois. 20$ trois fois vendu! Ben oui! Ben oui! Oui? C'est le plus beau jour de ta vie! Hey, t'es caméraman chez RDS, je te crois, man! Hey, le gars, il fait avec podcast, man! Avec pas de match! Après les matchs. Hey, non, oublie ça, là! Je te crois, man! C'est le plus beau jour de ma vie, la fois que j'ai gagné un T-shirt lettre. Hein? Eh non, il est beau, le T-shirt! Hey, c'est de la sémantique, là. On n'embarque pas là-dedans. OK. Hey! Hey! Mettons, je fais un petit sondage, puis là, je te dis, rends, hein? Toi, tu me dis... OK, calice. Asti, c'est pas compliqué, là. Hey, ça t'es pas bon. OK, gars. Vous l'avez scrappé à tout, non, on chantera pas. Ah non. Puis, en plus, parce que vous avez pas été fin, non seulement on va vous vendre quelque chose qui a rapport avec Raham, on va rajouter un fidge. Alors, pour un fidge, et ça, c'est une BD de Rahan, c'était écœurant. Oui. Alors, c'est sûr, pour les puristes, hein, qui seraient comme, « Oh, j'aimerais ça que ça soit dans une langue que je lis. » Ben non! C'est plus comme en turc. Ou en polonais. Ça sonne loin. Peut-être la Roumanie. Attends, pourquoi t'as vu que c'était en roumain là-dessus, toi? Parce que quoi? Ah, les Roumains, ils mettent des accents sur leur A que les autres mettent pas. C'est ça que tu m'expliques? Hey, c'est son frère, Alain. Oui, parenthèse, Gab. Il y a des applications gratuites. Pour traduire. Le texte. Pour traduire. C'est vrai. En live. C'est vrai. Tu mets ta caméra, tu vas lire ton téléphone et tu mets la BD dans la langue. Alors voilà. Alors, la vente de cette BD présentée par babel.org, apparemment. Alors voilà, ça me prend un chiffre. C'est une vraie BD, là. Elle est juste dans une langue que tu comprends pas. Okay. 2$. 4. 5. Je sais pas, tu me le dis ou tu me le demandes, là? 5? Ouais, ouais. 5$ une fois. 5$ deux fois. 6$! Mais non, mais il y a un chum roumain, lui. 6$ deux fois. T'as-tu vu? J'ai skippé un. Personne n'a rien dit. Toi, ça agresse.
$6 9 fois. Suivez, calice! C'est bon? Parce que là, je suis rendu à 3, je pense. C'est bon? 6$ 3 fois vendu! Hey, mais moi, je parle pas roumain, mais je te gage un 5 que Rahan, il gagne. Hey, Toto! Oui! Il y a quelqu'un qui a acheté le Rahan pis le Fitch deux fois plus cher que l'album d'Hugo Lapointe. Oui! Oui! Voilà! Hugo Lapointe a pris ça à un moment donné. OK, on va y aller avec l'avant-dernier, parce que je t'ai pas dit, mais faut appeler Alex Orfatis sur scène après. Mais pas de suite. Pas de suite. Là, on va vendre ça. Ça, c'est quand même hot. Oh oui, c'est quand même hot. Même que déroulé, puis c'est ça, on va le vendre. Il est irréversible. C'est un one size fits all. C'est en chemu. Moi, j'appelle ça du chemu. Parce que quand tu le frottes de même, ça fait grincer des dents un peu. C'est du chemu. Voilà. Ça, je te conseille de t'abonner au Bounce. Parce que ça pogne la statique que le cul. Si t'as un chat, il risque de pas te trouver super cool quand t'as ça. Ouais. C'est la morale élastique, t'as-tu vu? Ouh. OK. Oh ouais, c'est une joke politique, si Michel. Suis, calice. OK. Fait que c'est ça, hein? C'est un chandail, t'es trois meilleurs, je te connais. Hein? Moi aussi, j'ai Facebook. Essaye pas. 10 piastres! Ça existe juste à cause d'Internet. Ça existe juste à cause d'Internet, Mathieu. Je te le confirme. Je sais pas, mais c'est dans ce bout-là, ça sonnait chinook. Non, mais il y a de l'argent à chinook parce qu'il paye pas de taxes. Fait que... Ouais? Ouais? C'est qui, là? C'est le vent des Premières Nations. 10$ une fois. 12$! Je peux pas porter ça, mais t'es tellement terre à terre dans tes questions, ça a même pas rapport. 15! Bon, ben voilà, là, on jase. 15$ une fois. 17$! 17$ une fois. 20$! OK, non, hey, je sais qu'il y a des gens à nous voir dans le cas, là, mais 20, c'est quand même un nasty shitload de Craft Dinner, fait que j'aimerais un peu de réaction. 20$! Yeah! Une fois. 20$ pour le gars de Gangnam Style. Hey, gars, le gars de Gangnam Style. C'est la première fois que je manque de jugement pour un chandail à l'enfant. Ouais, mais attends, t'as pas manqué de jugement, moi, je trouve, parce que t'as, en tout cas, t'as fait de quoi d'autre? 20$ deux fois! Ah, c'est trop de Craveneur, par exemple. Ça refroidit le monde un peu. 20$ trois fois vendu! Ben oui, hey! Alex Sarfati, es-tu encore là? Ouais, ouais, vite-en! T'as-tu ton casque de Spirou? Moi, je t'aimais avec ton casque de Spirou. Mais c'est peut-être mieux que tu l'aies pas. Ma blonde est là. T'as mieux ça. Alex Sarfati, mesdames, messieurs! Fait que t'as des billets de spectacle à nous vendre. Absolument, absolument. Parle-moi de ça. All right. C'est un Christ de bon show, en fait. Je sais pas si ça vous dit de quoi, ça s'appelle Coup de cœur. C'est un de bon show. Ça s'appelle Coup de cœur. C'est des troupes de théâtre du Québec. T'as les Sept doigts de la main, t'as Flip Fabrique, t'as Cirque Éloise, t'as le Cirque du Soleil même qui participe, même s'ils n'ont pas besoin d'argent, ces assis millionnaires-là. En fait, j'avais le droit d'avoir des billets gratuits, puis j'en ai pas parlé à la TOU, c'est où ça se déroule. Les billets valent quand même cher, fait que je partirais la paire de billets à 10$. C'est crissement bon, man. Là-dedans, t'as du monde qui vient de partout, genre d'Europe, hostie, de France, de Paris, man. C'est incroyable. mais c'est toutes des troupes québécoises.
C'est toi des troupes québécoises, mais je sais pas, les Québécois, on n'est pas assez souples pour loader une troupe de cirque complète. Fait que, hey, c'est 30 piastres le billet, je pars la paire à 10 $. Vous aurez pas la paire matérielle, va falloir venir me voir après. Les billets, là, on est le 25, fait que 25, 26, 27, il n'y a rien. Fait que c'est du 28 au 2. Si vous choisissez vendredi ou samedi, vous avez le choix entre un show d'après-midi ou un show en soirée. C'est genre 2h ou 8h. Vous viendrez me voir, c'est moi qui vais réserver vos billets. C'est Chris Mabon, c'est un duo québécois, duo français là-dedans. Ils ont tellement une bonne complicité, t'oublies qu'ils viennent de France. Je jurais que ça vient du lac Saint-Jean, man. C'est excellent. Anyway, soyez pas cheap, c'est crissement pour une bonne cause. Si c'est pour douteux, la TOI est pas au courant que je fais ça, fait qu'on va garder ça slick parce que je vends ça. Anyway, mettez du cash. OK. Fait qu'êtes-vous prêts pour la casse sacrée? Hey, vous fermez vos gueules, par exemple. Mais non, j'en veux pas un, esti. Oh. On va parler en code, OK? Mais non, OK. Fait que ça part à 10 piastres. J'ai-tu 10 piastres? 10 piastres, merci. Elle dit 10 piastres, mais j'ai compris. 12 piastres. 15. 15 piastres. Voilà. Non, mais c'est correct. Hey, moi, si les 15 piastres, ils ont un UR dessus, je suis bien content. 15 $ une fois. 15 $ deux fois. 20 $20-25! OK, c'est bon. Non, c'est correct, correct. Oh, ouais, ça va monter. Il n'y a pas de stress. 20-25 une fois. Vous êtes chiens. 20-25 deux fois. 20-50. 20-60. Non, attends. 20-75 une fois. Voilà. 20-75 deux fois. 20-80. 21, merci. 21 et 25 une fois. 21 et 25 deux fois. C'est qui, là? 25 $, merci! Ouais, elle comprend le jeu, oui. 25 et 25 une fois. Hey, faites de quoi, là? Elle va pas gagner, est-ce que... 25 et 25 deux fois. 26 $, merci! 25. Hey, moi je m'en vais pas nulle part. Faites-la monter à genre 325 puis laissez-la pogner avec, esti. 26 et 25 une fois. 26 et 25 deux fois. T'es mieux d'avoir le change. Lui, il demande le charge exact, puis si tu l'as pas, on est à la gang, on peut pas le retenir pour vrai. Trois fois vendu! C'est incroyable! Vous êtes des malades! Êtes-vous des malades? Ah, un peu moins par là. Non, mais on est vieux, il est tard, on travaille. Alors, mesdames et messieurs, sur ce, je laisse la place à Bruno Corbin. Moi et Jésus, on vous dit bonne soirée, mesdames et messieurs.